Bonjour, bienvenue à ce deuxième webinaire du cycle Nouveaux Ruraux et Nouvelles Ruralités, organisé par le Réseau Rural Bretagne avec la chaire Mutation et Territoires d'Action Publique et avec l'Institut Agro Rennes-Angers. Le premier rendez-vous que vous pouvez retrouver en replay sur les chaînes YouTube de la chaire et du Réseau Rural s'intitulait Dire et décrire le rural. Pour ce deuxième rendez-vous, Rural, celles et ceux qui restent, nous allons vous proposer d'échanger avec, enfin, comme pour le format précédent, une lecture universitaire, un expert plutôt connecté au terrain et puis un témoignage concerné. Avant d'entrer dans le détail de ce rendez-vous, le réseau rural breton, c'est un outil qui est prévu par les fonds européens. Alors, je me cache un petit peu, voilà, par là. qui existe à l'échelle européenne, à l'échelle nationale et ou régionale. Donc évidemment, en France, nous avions jusqu'à la dernière programmation les trois niveaux. En théorie, le réseau rural, ça sert à peu près à tout par rapport au FEADER, donc à l'information des bénéficiaires et du grand public, à la bonne exécution des budgets, à l'innovation, à la rencontre entre acteurs. En réalité, son usage est plus restreint autour du partage de bonnes pratiques, d'initiatives et de questionnements sur des sujets de développement rural enfin, c'est essentiellement sur des sujets de développement rural. Le réseau rural organise des webinaires, des rencontres, des visites, propose un certain nombre d'outils de capitalisation que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et sur la page Bretagne du site national Réseau Rural. Présenter ces grandes lignes, je vais inviter Catherine Lédin, qui est enseignante-chercheuse à l'Institut Agro et chercheuse associée à la chaire Territoire et Mutation de l'Action publique, à présenter aussi les autres partenaires avant d'introduire le fond de cette rencontre. Bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire est organisé donc avec trois partenaires. Hein. Donc moi, je travaille à l'Institut Agro Rennes-Angers, donc sur le site de Rennes. Et c'est une école qui forme des ingénieurs et des étudiants dans le domaine de l'agronomie, qui est un domaine très sens large, agronomie, même agroalimentaire, horticulture, paysage. Voilà, on a de l'enseignement et de la recherche. Et l'autre donc partenaire qui organise ce webinaire, c'est la chaire Territoires et Mutations de l'Action publique, qui est une chaire de l'IEP de Rennes, qui en fait mixe des académiques, des scientifiques, sociologues, politistes, avec des acteurs des collectivités territoriales. Et sur une très grande diversité de sujets, hein, la chaire prend en charge les sujets qui intéressent l'action publique, donc que ça soit dans les domaines comme aujourd'hui sur la ruralité, mais il y a plein d'autres sujets qui intéressent en fait tant le monde scientifique que les acteurs des collectivités territoriales. Donc, la chaire organise des webinaires, des rencontres, des colloques. Porte quelques projets de recherche, voilà, en partenariat avec les deux. Donc, c'est dans ce contexte que, en fait, on a associé en fait les acteurs scientifiques et les acteurs des territoires pour s'interroger sur les nouvelles ruralités et engager en fait un cycle sur cette thématique-là. Donc, on est sur notre deuxième webinaire du cycle des nouvelles ruralités. Avec une interrogation sur celles et ceux qui restent dans les territoires ruraux. Alors, ce webinaire, en fait, fait suite à notre dernier webinaire où on s'était interrogé sur dire et décrire le rural, hein, comme le rappelait Marianne Paboeuf. Et en fait, ce qu'on avait pu voir dans ce dernier webinaire, c'est que on a une nouvelle définition qui est assez récente, hein, sur le rural. C'est plus un espace défini en creux, c'est plus un espace ignoré, mais c'est une définition en fait qui utilise en fait la grille de densité et qui est combinée en fait avec le zonage d'attraction des villes.
Donc, avec cette nouvelle définition, on se rend compte que finalement, on a plusieurs types d'espaces ruraux, hein. Des espaces ruraux avec des faibles densités, mais qui peuvent varier, et puis qui sont plus ou moins sous attractivité de la ville. Voilà. Alors, avec ce niveau découpage, on se rend compte qu'on a 88% des communes qui sont aujourd'hui définies comme rurales, et ça concerne 33% de la population. Donc ça change le regard sur ces territoires-là. Et ensuite, on s'est interrogé avec une politiste, Léa Sénéga, si cette catégorie du rural, comment elle était appréhendée au niveau des sciences sociales. Et Léa Sénégas nous a proposé en fait une analyse croisant la sociologie avec les sciences politiques. Et en fait, elle nous montrait que si pendant à peu près jusque dans les années 80, finalement, la ruralité était souvent associée au monde paysan, dans les dernières décennies, en fait, les travaux académiques qui portent sur les zones rurales montrent que finalement, si quand on associait rural à agricole, on pensait à une certaine spécificité du rural et un peu en opposition avec la ville. Dans les dernières décennies, on voit que les travaux montrent que finalement, les espaces ruraux sont traversés des évolutions socio-économiques qu'on peut observer ailleurs. Toutefois, en fait, ce que montrent ces travaux, c'est que les zones rurales demeurent des terrains fertiles pour interroger les classes sociales, la famille, l'environnement, etc. On a même des travaux assez récents qui montrent que les mondes ruraux font état d'une morphologie sociale spécifique qui est liée en fait à la prépondérance de certaines activités ou la présence, donc par exemple, on peut penser à l'agriculture, à certains types d'industries, et donc qui génèrent finalement des types d'emplois avec donc une forte présence d'agriculteurs, d'ouvriers, mais aussi des fois des absences ou des moindres importances de certaines professions, comme les professions intellectuelles supérieures, les cadres supérieurs, etc. Donc, ces structurations sociales, en fait, vont avoir des incidences, en fait, sur les rapports entre les groupes sociaux, hein. On voit que, par exemple, on a des espaces ruraux qui témoignent d'une hiérarchie sociale, mais qu'elles s'organisent sans doute différemment que dans d'autres espaces. Par exemple, la petite bourgeoisie artisanale ou commerçante, elle est plus valorisée dans les espaces ruraux. Une caractéristique aussi de ces espaces ruraux, c'est la ressource forte de certaines populations par rapport au capital d'autochtonie, le fait d'être d'ici, qui peuvent constituer une véritable ressource pour les habitants, même si on voit que dernièrement, ce capital-là peut être fragilisé par les difficultés économiques de ces territoires-là. Donc, c'est ce qui nous amène à notre questionnement de ce second webinaire. On s'interroge sur finalement, si on voit bien que les catégories ont évolué, finalement, est-ce qu'on peut mieux connaître en fait celles et ceux qui habitent dans les zones rurales? Y sont-ils par choix ou parce qu'ils n'ont pas eu le choix? Donc, est-ce qu'ils y sont par choix parce que quelque part, ils participent à renouveler l'adage déjà ancien de vivre et travailler au pays? Pour rester. Quelle stratégie finalement ces habitants mettent-ils en place pour à la fois concilier le fait d'avoir une activité professionnelle et d'avoir une vie dans ces espaces-là? Est-ce que ça passe par des stratégies individuelles, par exemple de déqualification par rapport à l'emploi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on voit qu'il y a moins d'emplois qualifiés. Ou est-ce que ça impose quelque part des mobilités? Est-ce que ça impose de créer sa propre activité? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on a et on a trois intervenants qui ne manqueront pas sûrement de nous éclairer par rapport à tous ces questionnements-là. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Gilles Laferté, donc, qui est directeur de recherche en sociologie, à l'INRAE de Dijon, qui est un sociologue des mondes ruraux et qui va nous présenter en fait la diversité des ruraux et la diversité des ruralités, pardon. Et voilà, je lui laisse tout de suite la parole. Merci, bonjour à toutes et tous. Du coup, je vais faire un partage d'écran parce que j'ai
Préparer un PowerPoint, vous le voyez bien, du coup, ça fonctionne, ouais. Super, bon, Oui, alors très j'y vais. bien. Eh bien, écoutez, je crois que vous avez déjà pas mal dit de ce que je souhaitais raconter dans l'introduction, donc au moins on sera en phase. Hein, et donc, non, ça fait plaisir que les analyses convergent. Donc, effectivement, l'idée d'essayer de comprendre la stratification sociale des espaces ruraux aujourd'hui et pour savoir comment elle a été produite suppose un relatif temps long. Et on pourrait croire que c'est juste un exercice de description d'une certaine manière, puisqu'on sait ce que sont les différents groupes. Mais appliqué aux espaces ruraux, c'est beaucoup plus que sur les espaces urbains. C'est un travail intellectuel et conceptuel, pas uniquement descriptif. Hein. J'entends par là, on décrit des groupes avec des mots très différents aujourd'hui qu'hier. Et effectivement, vous l'avez rappelé, la grande question qui a longtemps travaillé la sociologie des mondes ruraux a été celle des paysans. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout dans ce vocabulaire-là. Et il y a une place importante des catégories socio-professionnelles et des classes sociales, et donc une sorte de normalisation des espaces ruraux, des manières de décrire les espaces ruraux dans la sociologie contemporaine depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, et qui a un mouvement notable hein, pour les lunettes qu'on prend pour décrire les mondes ruraux. Et c'est vrai que dans les recherches actuelles, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, l'analyse s'est beaucoup focalisée sur les mondes populaires. C'est à la fois un effet de la réalité des espaces ruraux, hein, qui ont une surreprésentation des groupes populaires, comme vous l'avez pu déjà le souligner, mais c'est aussi un effet des espaces académiques eux-mêmes, hein, avec un prisme sur les espaces populaires dans les travaux sur les classes sociales, et j'y reviendrai. Donc ça suppose un agenda de recherche aujourd'hui qui est assez spécifique sur les mondes ruraux, puisqu'on a comme des trous hein, dans la raquette. Hein. Il y a des groupes sociaux qui sont moins enquêtés, il y a des lieux qui sont moins enquêtés, et de plus en plus, la dichotomie urbain-rural s'effaçant d'une manière analytique, mais elle s'efface aussi dans la trajectoire des personnes, avec un ensemble de circulations. C'est ceux qui restent, ceux qui partent peut-être, mais les gens font surtout des allers-retours. Et là, il y a du coup la sociologie basée sur uniquement poser les personnes sur leur résidence principale peut aujourd'hui se révéler beaucoup trop courte pour décrire qui sont de fait présents dans les espaces ruraux entre les résidents principaux, les résidents secondaires, entre les gens de passage. Donc il y a toute une confrontation de groupes sociaux au-delà de la description INSEE statistique par la résidence principale, qui diffèrent dans la réalité par rapport à l'occupation, la description statistique qu'on peut avoir à travers les fichiers du recensement ou d'autres types d'enquêtes nationales. Donc, une difficulté singulière autour des circulations. Donc, ce que je voudrais rapidement placer dans l'introduction, c'est de dire justement la dynamique dans laquelle sont ces espaces ruraux en termes de morphologie sociale sur un temps long. Avec donc jusqu'aux. Alors, c'est très. Prenez pas ces dates comme pointillistes, hein, c'est vraiment des évolutions très larges. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment très fort hein, de la fin du 19e jusqu'aux années 60 sur l'idée qu'il faut construire une sociologie spécifique des espaces ruraux avec un vocabulaire spécifique, et j'y reviendrai rapidement. Parce que c'est un territoire singulier, réservé plutôt à l'anthropologie, qui est loin des logiques de classe sociale, de la société industrielle, qui est la société urbaine. Donc ça, c'est vraiment un prisme de pensée très fort de la sociologie, hein, plus très fortement critiqué aujourd'hui, mais qui a longtemps été dominant. Ce qui fait qu'on ne décrit pas les groupes sociaux pendant très longtemps de la mani même manière dans les espaces ruraux, dans les espaces urbains. Dans les années 5, à partir des années 50-60, il y a l'idée d'une disparition du territoire à mesure de la diffusion des institutions et donc une normalisation du vocabulaire sociologique pour décrire les groupes sociaux. Et l'idée que le territoire va s'écraser, hein, tout va s'urbaniser. À partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait que non.
le territoire, malgré la puissance des institutions, ne s'écrase pas. Il y a encore une vraie distinction entre grandir dans les espaces ruraux, grandir dans les espaces urbains, le type d'emploi, les types de polarisation économique, et que donc le territoire ne s'écroule pas face à la mobilité générale des populations ou la diffusion de l'État ou des marchés jusqu'au dernier petit village. Et donc, du coup, se recrée une politisation de la frontière urbain-rurale, hein, ou centre-périphérie. Et donc, aujourd'hui, ça permet des fonds de recherche, de notre point de vue, très stimulants pour décrire une nouvelle géographie sociale de la France, et j'y reviendrai. Donc, ah, bah, attendez, pourquoi ça ne bouge plus mon... Ah, tu vas. Donc, du coup, de quels groupes sociaux on parle? Et donc, de fait, là, je vais revenir très, très rapidement là-dessus, mais pendant très longtemps, le prisme anthropologique sur les espaces ruraux français, comme les sauvages de l'intérieur qui seraient trop loin de la culture légitime, c'est très, très fort jusqu'à Pierre Bourdieu. Hein. Si vous lisez la distinction, il a des notes de bas de page, comme quoi il ne peut pas inclure les agriculteurs dans l'espace social de manière simple, parce qu'ils sont trop loin de la culture dominante, ils ont des rapports trop singuliers, et donc il fait une espèce d'énorme bloc en bas à droite de l'espace social pour les mettre dans les classes populaires. Et parce qu'ils sont loin de la culture légitime, qui est pourtant son classement, son ordre de classement du capital culturel. Et donc du coup, on reste dans un vocabulaire ad hoc, où on va parler des paysans, des notables. La grande distinction, c'est notable paysan. Hein, donc les notables, c'est ceux qui font le lien entre ceux qui ne bougent pas, hein, les paysans qui sont vissés à leur village ou aux quelques villages autour d'eux, et les notables font le lien entre la société locale et la société globale ou nationale. Et ce sont donc les grands propriétaires, les élus, les maires, les députés qui font le lien avec le national. Et donc le terme de communauté est très très fort. Et on ne parle pas de classe sociale, mais de groupe communautaire, de groupe villageois, de groupe paysan face aux notables. Donc, si vous me posez la question de ceux qui restent et ceux qui partent, dans cette période-là de l'exode rural, donc c'est la fin des paysans, c'est le déplacement des paysans, mais on parlera assez difficilement de distinction entre ces différents groupes de paysans. Il y a eu des tentatives, hein, de classe sociale dans les mondes agricoles, mais donc ceux qui restent, ce sont les gagnants du productivisme qui réussissent à racheter les autres, et ceux qui partent, ce sont les perdants du productivisme et des politiques publiques de l'époque. On découvre quand même progressivement avec ceux qui partent, hein, à cette époque-là, à quel point les mondes ruraux sont quand même aussi des mondes ouvriers, parce qu'à mesure que décline le groupe agricole, on voit de plus en plus se fortifier le groupe ouvrier dans les espaces ruraux dès ces périodes-là. Donc l'évolution aussi très forte des mondes agricoles eux-mêmes, hein, qui vont transformer les paysans en agriculteurs, va complètement condamner ce vocabulaire de la sociologie rurale de première. Attendez, hop, est-ce que pourquoi ça va? Donc du coup, on a une évolution rapide de la morphologie sociale des espaces ruraux qui est très très forte, hein, à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc, avec ce que les sociologues ont appelé une urbanisation généralisée de la société, mais on ne peut pas tout à fait revenir à la critiquer, avec la diffusion des institutions publiques. Alors, le plus marquant, c'est l'école, hein, la diffusion de la massification scolaire jusqu'à 80% d'une classe d'âge au bac, la diffusion des lycées, des universités dans les pôles régionaux, et donc la structuration de chaque école dans toutes les du collège lycée dans tous les espaces ruraux. Et du coup, l'idée aussi que le marché, hein, va partout, le marché au sens les mêmes produits vendus dans le supermarché urbain que rural, et qu'il n'y a pas, il y a plus d'économie, de l'échange villageois au prisme du marché marchand de la grande ville, enfin, en comparaison du marché marchand. Et donc, du coup, dans la sociologie de l'époque, il y a beaucoup le local comme une illusion sociale. Il y a un texte qui est super, où comment les agriculteurs, pourtant petits agriculteurs, peuvent-ils encore voter à droite alors qu'ils sont censés, dans la structure sociale nationale, être des perdants qui sont globalement dominés par les cadres et qui donc devraient voter à gauche. Donc, il y a toute une réflexion à l'époque sur l'idée que, en fait, ils se croient encore bourgeois dans l'espace local, mais par contre, à l'échelle nationale, ils devraient voter à gauche parce qu'ils vont perdre leur position de domination. Et donc, du coup, il y a, il y a, il y a
Il y a l'idée que le local et les positions de domination sociale dans l'espace local sont progressivement une illusion et que les acteurs sociaux vont se rendre compte qu'ils sont dans une position d'illusion et que la structure nationale va s'imposer à l'ensemble des acteurs sociaux. Et donc, c'est tout le mouvement. Alors, il y a les autres mouvements autour de la périurbanisation, de la balnéarisation qui est très mal connue, hein, très mal renseignée en France. Périurbanisation, oui, balnéarisation, beaucoup moins. Le développement des résidences secondaires, l'ensemble des mobilités vont donc créer cette unification de vocabulaire. Hein, et aujourd'hui, pour décrire quand on demande ceux qui restent, ceux qui partent, on va dire c'est les ouvriers qui restent, qui partent. Et donc, on a le même vocabulaire entre la ville et les espaces ruraux. Et donc, c'est le vocabulaire des professions, des catégories sociales qui s'imposent. Donc, je vais vous faire rapidement ce tableau de l'évolution à travers des cartes et vous allez voir à quel point ça bouge rapidement. À partir des cartes des années 60 jusqu'aux années 2010, 2008, non, 2014. Et donc, on va voir, je vais assez rapidement parce que sinon, je vois que on va filer. Donc là, on est sur les agriculteurs. Donc les agriculteurs, le groupe agricole, on va voir son effondrement. Donc là, on est en 68. Attendez, bah oui, hop. Là, on est en. Attendez, j'ai quoi les cartes? Bon, je n'ai pas noté les dates sur les cartes, donc je suis désolé. Donc c'est On tous les les recensements. voit, on les voit. Moi, je les vois. Ah, d'accord, parce que moi, j'ai une barre en haut qui m'empêche de voir. Alors, Ok, d'accord. 90, moi, je peux vous dire. Là, c'est Ouais. 90. Là, c'est 99. Ok. 2008. Voilà, 2008. Donc, du coup, on voit bien l'effondrement du groupe agricole, même dans les espaces ruraux, s'il y a très, très peu d'espaces où ils sont dominants, hein, alors que historiquement, ils l'étaient. Quand on regarde du côté des ouvriers, effectivement, il y a un recul du nombre d'ouvriers en France entière, hein, mais par contre, il y a un déplacement des ouvriers des années 60 à aujourd'hui en termes de proportion des espaces urbains vers les espaces ruraux. Donc là, on est en 68. Et donc, regardez les villes que vous pouvez reconnaître et vous voyez bien qu'il y a une surconcentration à part Paris. Hein, on voit bien que c'est déjà opéré à Paris, mais pas en Presnes ou la périphérie de Rennes, Nantes, la côte, pour la Bretagne que vous voyez bien. Il y a une surreprésentation ouvrière là où il y a de l'urbanisation. C'est exactement une géographie symétrique qu'on va trouver quelques années plus tard. Donc là, vous voyez, on est déjà, là, ça doit être 82, là, ou 90, je sais plus. C'est 2008. Et 2008, voilà. Donc, oui, j'ai pris que deux cartes pour les ouvriers. Donc, du coup, là, on voit bien le contraste très net du déplacement du groupe ouvrier en termes de proportion des espaces urbains vers les espaces ruraux. Pour la Bretagne, c'est frappant, hein, c'est vraiment symétrique. Si vous prenez maintenant, là, c'est sur les. Je vois pas, mais mon table. Là, on est sur les cadres ou les professions On est intermédiaires? sur Ça y les est. employés en 68. Les employés en 68, donc voilà, pareil, les employés haute catégorie populaire sont encore plus explicitement urbains. Vous voyez, pour le coup, ils sont vraiment pile à Rennes, par exemple, ou pile à Nantes, ou pile à Angers. Et pof, là, on est en 2008. Alors, ils se répartissent de manière plus homogène sur le territoire. Hein, c'est moins frappant que les ouvriers. Il y a quand même une désurbanisation, on va dire, du groupe populaire ouvrier. Et donc, ah bah oui. Hop, pareil sur les ouvriers. Bon, je ne refais pas la démonstration, parce que là, c'est agrégé, ouvrier et employé. Hein, d'accord? Et donc là, on est en 2014. Et donc là, on agrège ouvrier et employé. Et donc, plus on est dans les couleurs chaudes, là, plus il y a d'ouvriers et d'employés. Donc, on voit bien que les villes sont des vides d'ouvriers et d'employés en termes de proportion comparativement. Si on fait l'inverse, bien sûr, on va trouver le symétrique si on prend les cadres. Donc, les cadres, donc bien sûr, c'est un groupe qui est en fort développement sur toute la période. Hein, donc, il y avait très peu de cadres dans les années 60. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Hein, de tête, j'irais une vingtaine de pourcents. En fait, j'aurai le tableau après. Et donc, du coup, les cadres, eux, étaient les peu de cadres, bien sûr, surreprésentation du côté de Paris, hein, très peu dans les autres agglomérations, mais quand même une surreprésentation. Le grisé en dessous, hein, c'est la carte en termes de zonage urbain. Hein. C'est pas les seules choses qu'il faut regarder, c'est les couleurs, pas le grisé jaune. Ça, c'est la carte rurale urbain qui est dessous. Et donc là, on est en 2008. On voit bien que c'est principalement dans les métropoles que se développe la surproportion de cadres. Et ah, je vois que j'ai oublié de remettre en français, mais bon, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Donc les cadres et les professions intellectuelles en 2014.
leur surreprésentation. Donc, on retrouve une sorte de carte urbaine de la France très marquée. Donc, pour les professions intermédiaires, qu'on peut assimiler grossièrement aux classes moyennes, on a pour le coup une vraie périurbanisation marquée de l'évolution entre les deux dates. Donc voilà, on se retrouve donc avec une géographie sociale, qui est cette morphologie sociale dont on a parlé en introduction, qui est quand même assez marquée par le degré d'urbanité, si on reste aux grandes catégories de l'INSEE, et donc avec des zones rurales, là c'était notre zone d'enquête, c'était le Châtillonnais en question, mais là si on prend national les zones rurales, espaces ruraux, avec donc une proportion très inversée, supérieure des ouvriers. 31,7% contre 23,8% en France métropolitaine, 14% d'ouvriers sur le pôle Paris, et une légère surreprésentation des ouvriers. Par contre, les cadres, c'est exactement l'inverse. Hein, les cadres à Paris, dans le pôle Paris, hein, donc c'est pas Paris-Paris, mais le pôle parisien, 27,6%, 7,2% dans les espaces ruraux. Donc, c'est quelque chose qu'on a de. Donc, on retrouverait un gradient. Donc, c'est la carte qu'on vous a présentée comme une sorte de nouvelle géographie sociale, mais justement, je vais vous montrer que de mon point de vue, elle est largement dépassée aujourd'hui, puisqu'on aurait une sorte de superposition d'un gradient urbain-rural, classe supérieure, classe populaire. Donc, ça, ce serait la première façon de voir les choses. Mais il nous semble aujourd'hui qu'il faudra y revenir et je reviendrai dans la dernière partie de mon exposé. Donc, le deuxième point, aujourd'hui, du coup, à partir du moment qu'on s'est rendu compte que, eh ben non, le territoire ne s'est pas complètement dissolu à travers la diffusion des institutions et du marché, puisqu'on a une recomposition sociale du territoire qui est marquée selon le gradient urbain-rural, avec donc une surreprésentation des classes populaires et une surreprésentation des groupes agricoles. Le premier réflexe de la sociologie contemporaine dans les 20-30 dernières années, c'était justement d'aller enquêter ces groupes populaires et ces agriculteurs qui sont restés dans les espaces ruraux. Donc, c'est le programme de la sociologie des mondes ruraux qu'on nomme aujourd'hui, c'est ce programme-là de passer non plus d'une sociologie anthropologique des paysans, des notables, à une sociologie des classes sociales et aller d'abord sur les plus gros groupes que nous donne la statistique publique, qui aujourd'hui reste dans les espaces ruraux, qui seraient les classes populaires et les groupes agricoles. Et donc, aujourd'hui, on a quand même un ensemble de travaux assez significatifs, mais on peut critiquer justement par rapport à l'empilement du même, d'une certaine manière, puisqu'on a beaucoup enquêté dans les bourgs, les groupes industriels, les ouvriers industriels. On sait beaucoup moins de choses sur les employés féminins, sur tous les emplois d'aide à domicile. Donc, il y a une sorte d'asymétrie dans les travaux, comme c'est des recherches beaucoup ethnographiques et non pas statistiques, parce que c'est très compliqué les statistiques locales. On a donc, du coup, beaucoup plus de travaux sur certains groupes populaires, hein, et donc beaucoup des ouvriers de l'industrie, et notamment la monographie de bourgs industriels. Et donc, je pense aux travaux de Florence Weber, de Nicolas Rénaï, de Julien Mitiu, de Benoît Coquart, qui est vraiment le titre de votre séminaire, hein, puisque c'est ce qui reste, le titre de son livre. Donc là, je ne vais pas lire tout ce que j'ai écrit, je ne sais pas pourquoi j'ai pris un si long, mais on a donc on a eu c'est une conséquence, hein, cette accumulation de monographies d'ouvrières qui ont vraiment ouvert des espaces intellectuels importants dans la sociologie des mondes ruraux. Mais c'est lié à la méthodologie en sciences sociales, hein, puisqu'on ne peut pas faire beaucoup de statistiques, on va faire de l'ethnographie. Et donc, on va faire de l'ethnographie avant tout pour maîtriser son terrain sur des logiques de petits bourgs. Et donc, du coup, on se retrouve et on va là où il y a une surreprésentation du groupe ouvrier, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et donc, chacun a eu plus ou moins la même stratégie, ce qui aussi fait qu'on a une très belle connaissance des bourgs industriels en déclin et beaucoup dans l'est de la France. Mais on a beaucoup moins d'autres connaissances dans les espaces ruraux français. Sur le monde agricole, c'est la même chose. On a eu une sorte de, on a une, on est en, on est en cours d'une vraie changement de manière de faire la sociologie des groupes agricoles, puisqu'on a longtemps, ce que je vous disais, là, j'ai mis en fond, pour ceux qui sont sociologues, vous allez le reconnaître, c'est l'espace social de Pierre Bourdieu dans la distinction. Et en rouge, c'est ce qu'on pourrait éclater par rapport à ce programme. Et donc, là, vous voyez bien ce que je vous disais, l'espèce de carotte perpendiculaire en bas à droite de l'espace social de Pierre Bourdieu, c'est les exploitants agricoles. Donc, ils ne savaient pas trop comment les positionner. Donc, il les a mis tout en bas, vous allez dire dans les classes populaires.
et tout à droite, c'est-à-dire comment dire, avec le moins de capitaux culturels légitimes. Et donc, alors que aujourd'hui, et donc tout prend très longtemps, hein, puisqu'ils sont à la fois propriétaires de leurs moyens de production, mais auto-exploités dans une industrie agroalimentaire qui leur fait des contrats sans énormément de marge de manœuvre, ils ont été dits comme inclassables dans la structure de classe des agriculteurs. Il y a un texte très connu de Claude Grignon sur cette perspective-là, hein. On ne peut pas les classer dans la structure de classe parce qu'ils seraient à la fois du côté du capital et comme exploités du côté de la structure du travail, et que donc ils ne rentrent pas dans une conceptualisation marxiste des classes sociales. Par contre, si on prend le jeu de Pierre Bourdieu, ils rentreraient non plus dans la structure de classe parce qu'ils seraient trop loin éloignés du capital culturel légitime. Donc, au mieux, on pourra en faire la classe objet dont il en parle, hein, la classe la plus populaire des classes populaires, ce qui peut heurter, quand on sait, le capital économique d'une partie des groupes agricoles. Donc aujourd'hui, il y a une sociologie des groupes agricoles qui se redéfinit justement pour éclater le groupe et arrêter de le penser comme une classe unique ou comme une classe d'opposition entre des propriétaires et des non-propriétaires. Et les travaux en cours essayent de. Donc là, le positionnement en rouge là, des différents groupes agricoles. Revient à penser que justement il y a ceux qui restent qui vont être la bourgeoisie agricole qui se reproduit à travers les grandes exploitations où en général il y a un repreneur, les petits exploitants agricoles qui vont ceux qui sont en difficulté qui vont progressivement rester ou se faire manger économiquement, et puis il y a un ensemble d'agriculteurs alternatifs qui sont là dans ces parties-là, enfin, je vais vraiment très très vite, hein, un ensemble de nouveaux arrivants. Il n'y a pas que des reproductions à gauche de l'espace politique agricole, il y a aussi des nouveaux arrivants importants du côté des agriculteurs alternatifs. Et là, je pense que c'est un défi, hein, pour la sociologie de l'espace social et de la structuration sociale, puisque c'est beaucoup autour de valeurs morales. Et là, on réintroduit beaucoup de politique, hein, dans ces gens qui mettent tout en haut de la structure sociale, être berger, faire son vin soi-même, et la finance tout en bas de la structure sociale, qui serait des boulots repoussoirs, parce que les normes politiques qu'ils incarnent, ou les valeurs morales qu'ils incarnent, seraient une société à dépasser. Donc il y a un vrai travail aujourd'hui très intéressant de voir la structure sociale du côté vu par les agriculteurs et les différents groupes agricoles. On arrive à cette idée donc on a une morphologie sociale différenciée, c'est ce qui a été dit dans l'introduction par Catherine Lénin. Et donc, du coup, à partir du moment que les groupes sociaux ne sont pas tout à fait les mêmes, on a une difficulté à plaquer ce que la sociologie contemporaine a fait de l'espace social national sur les espaces sociaux des mondes ruraux à l'échelle localisée, puisqu'on ne retrouve pas exactement les mêmes groupes sociaux. Donc du coup, on hésite à complètement partir dans l'idée d'une unification nationale de la structure sociale, et on s'interroge, quand on est sociologue des mondes ruraux, sur les degrés d'autonomisation de ces espaces sociaux, et d'où la notion que moi j'ai proposée d'espace social localisé, puisque la morphologie sociale différenciée semble produire des effets structuraux sur la structuration sociale. Notamment dans les relations de classe, dans l'espace résidentiel, est-ce que c'est la même chose, le rapport de domination sociale au travail ou de domination sociale dans l'espace résidentiel? Est-ce qu'il n'y a pas des logiques d'alliance de classe qui ont été, par exemple, travaillées autour de la chasse par Héloïse Fradkin, qui sont tout à fait possibles, plutôt que des rapports de lutte de classe ou de rapports de classe conflictuels? Il y a des formes d'alliance de classe qu'on observe dans des pratiques de loisirs. Pareil, est-ce que le groupe résidentiel qui se développe dans les espaces ruraux, à mesure qu'il n'est pas sur sa scène de travail, mais sur la scène justement du loisir, du commerce, ça va être des rapports autour d'une société de service, beaucoup plus que des rapports autour d'une société industrielle de domination des groupes ouvriers au travail ou à l'usine. Donc, on est dans des rapports sociaux qui semblent quand même relativement à déplacer par rapport au prisme classique de la société de classe. Décrite historiquement. De même, on a toute une réflexion à avoir sur la valeur des capitaux
qui n'ont pas la même valeur nationale. Je pense que tous ceux qui cherchent en Bretagne, qui voient à quel point les prix peuvent s'enflammer dans certains coins du territoire de la Bretagne, ce n'est pas une économie endogène qui produit ça, c'est bien parce qu'on a à Paris eu un marché immobilier qui a explosé avec des gens qui ont des fortunes du coup immobilières importantes, et vendre un 100 mètres carrés à Paris permettre s'acheter une maison très valorisée sur les côtes bretonnes. Et donc, le capital fait quelque part exporter ailleurs, produit des déformations de position sociale. Et donc, on est d'une certaine manière plus bourgeois quand on vient de Paris, parce que juste par le jeu mécanique et de la différenciation des valorisations immobilières historiques, on se retrouve avec un fort capital à l'échelle nationale. Donc, il y a un ensemble de jeux comme ça où ce qu'on peut aussi voir inversement, le capital d'autochtonie dont on a parlé tout à l'heure, certains sur le marché foncier agricole, ben, il est très fermé à ceux qui ne sont pas du coin, et rentrer en agriculture quand on n'est pas des villages en question est une opposition. Donc on voit bien qu'il y a une variation géographique de la valeur des capitaux, et que donc cette structure sociale nationale, elle est aussi à limiter, et donc d'où cette idée d'espace social localisé, de hiérarchisation sociale, qui ont des valeurs spécifiques ou des formes spécifiques. Et c'est très très vrai, par exemple, sur la production des élites locales. La morphologie des élus n'est pas la même entre les espaces ruraux et les espaces urbains, avec quelque chose qui est très connu dans l'histoire longue, hein, c'est la surreprésentation du groupe des agriculteurs dans les positions d'élus ou du groupe des indépendants, alors que qui occupent donc une position structurelle relativement équivalente aux cadres dans les villes. Les salariés cadres sont très largement surreprésentés dans les élus et dans les espaces urbains et dans les espaces ruraux. On va retrouver beaucoup plus des indépendants. Et de même, les conflits sociaux ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc là, aujourd'hui, on multiplie les possibles d'analyse, tellement il y a des conflits sociaux dans les espaces ruraux, bien sûr les gilets jaunes, bien sûr le vote RN qui est en différents lieux et qui est très lié au gradient urbain et rural, hein. Le rapport à l'environnement, dès qu'on fait un aéroport, une autoroute ou je ne sais pas quoi, il y a toujours quelque chose d'une lutte sociale qui se lance. Et avec des usages sociaux des espaces ruraux aujourd'hui, qui ne sont pas que des usages économiques de la petite industrie ou l'industrie du luxe qui peut s'implanter et rester dans les espaces ruraux sur le foncier moins cher, mais il y a aussi d'autres usages, hein, donc l'usage productif autour de l'agriculture, d'accord, mais aussi touristique qui se développe avec donc là des différenciations spatiales très fortes, mais il y a aussi des usages donc récréatifs, hein, touristiques, des usages récréatifs, mais aussi des usages sociaux, et on voit bien les conflits. Par exemple, je pense que vous êtes au courant à Saint-Brévin, là récemment, je crois qu'il y a une politique d'accueil de réfugiés, et donc ça tend la population entre deux groupes, ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, et donc il y a un usage social pensé des espaces ruraux autour justement des crises migratoires contemporaines, quel rôle faire jouer à ces lieux ruraux. Et il y a toute une politique, par exemple, EMIL, hein, qui est une politique publique nationale, qui tendrait à désengorger l'agglomération parisienne de l'afflux des réfugiés vers les espaces ruraux en leur offrant les logements sociaux vacants des espaces ruraux et les emplois non pourvus des espaces ruraux. Donc du coup, on arrive à une définition enrichie de la ruralité. La ruralité par rapport à la carte et la logique des zonages urbains, qui est aujourd'hui celle qui s'impose à l'INSEE, qui a été présentée comme la nouvelle définition, nous paraît déjà limitée. Pourquoi elle est limitée? Parce qu'elle pense la ruralité comme une distance au centre, donc au marché de l'emploi, à la santé, au pouvoir politique ou décisionnaire des grandes entreprises. Donc tout est organisé sur la distance à la centralité. La ruralité, c'est une distance à la centralité. Mais là, ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'il y a une différenciation sociologique. Ce n'est pas qu'une distance à la centralité, ce n'est pas exactement les mêmes groupes sociaux. Donc il y a une hiérarchisation sociale assez différenciée, et que donc c'est un espace social plus populaire, plus en bas, plus à droite, si on reprend le schéma bourdieusien de l'espace social. Et par contre, ce n'est pas quelque chose d'autonomisé comme ça l'a été pensé dans la sociologie rurale des années 50-60 avec ce village, cette communauté juste le notable qui fait le pont avec le national, puisque tout le monde bouge, il y a beaucoup de mobilité. Et donc, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on passait du terme local, autonomisé, à localisé, au sens, il est contraint par des logiques de très longue distance. Hein, donc, l'État, hein, qui a des politiques de peuplement, de valorisation de l'attractivité de territoire, qui a des logiques de présence institutionnelle, jusqu'où la CAF, ou qui a des logiques de politique industrielle, hein, et qui pense les territoires ruraux. Il y a bien sûr l'Europe, qui a aussi une fonction importante.
Et puis il y a les marchés, le marché de l'emploi, le marché immobilier, tout ça qui figure à très longue distance ces espaces ruraux. Donc c'est les impacts de ces politiques de très nationales, internationales, qui jouent de manière différenciée sur les propriétés sociales et historiques de chacun des territoires, qui produit cet espace social localisé avec des emplois spécifiques et donc des peuplements spécifiques. Et donc du coup, à partir de cette questionnement d'une singularité hein, des espaces ruraux par rapport aux espaces urbains et absolument pas un nivellement homogénéisé du territoire qu'on observe donc, dans les récentes décennies, on peut se poser plusieurs questions. Il y a des groupes qui sont encore mal enquêtés. Est-ce que les zones rurales sont homogènes? Et est-ce qu'il faut vraiment se bloquer sur ces espaces urbains ruraux dans une logique de résidence principale? Et qu'est-ce qu'il faut faire de toutes les circulations qu'on observe et qui ouvriraient vers d'autres formes de hiérarchisation des espaces. Et donc, c'est la réflexion dans laquelle on est actuellement. Et donc, du coup, pour vous montrer cette diversité des mondes ruraux, ou des espaces sociaux localisés des mondes ruraux, si on faisait une analyse statistique plus fine, donc on peut déjà casser le groupe catégorie spatiale rurale en trois blocs. Hein. Il y a au moins… la dominante agricole, la dominante industrielle et la dominante résidentielle qu'on a essayé de montrer sur cette carte, hein, qui pourrait dessiner des typologies différenciées d'espaces sociolocalisés selon les morphologies sociologiques. On peut voir aussi la différence de la dynamique hein, des espaces ruraux en termes spatiaux, là pour le coup non plus en termes de catégorisation sociale, puisqu'il y a des zones qui se peuplent et d'autres qui se désertifient. Donc celles qui se peuplent, c'est globalement les zones périurbaines et les zones récréatives, c'est-à-dire les côtes et les montagnes. Et du coup, dans l'agenda sur les mondes ruraux, il nous semble qu'il manque beaucoup de travaux, notamment sur les zones, les campagnes bourgeoises et les zones balnéaires. Et quand on regarde les côtes, et particulièrement les côtes bretonnes, c'est impressionnant ce qui s'est passé en 50 ans. L'urbanisation des petits villages, j'ai une carte, voilà. Là c'est la presqu'île d'Urvis, c'est un zoom sur Arzon. Donc, en haut, vous avez Arzon aujourd'hui, et en bas, vous avez Arzon 1956, où il n'y a pas de port, où il y a juste deux petits villages. Et là, aujourd'hui, c'est je ne sais combien de bâtis. Et c'est comme ça sur une très très grande partie de la côte sud bretonne et en partie la côte nord, et c'est toute l'arc atlantique qui a subi cette urbanisation accélérée. Mais ces espaces balnéaires, qui étaient donc des espaces ruraux, qui sont encore classés comme des espaces ruraux pour certains parce qu'ils sont plus ou moins denses, hein, puisqu'ils sont peu denses l'hiver et très denses l'été. Et donc, si on fait une mesure par la carte de la résidence principale, on va avoir tendance à les classer dans les zones rurales. Mais à l'évidence, ça n'a rien à voir avec une sociologie de l'Est français, des grandes zones céréalières. Donc, l'urbanisation de la côte est à penser comme des formes de ségrégation sociale très très fortes dans les espaces balnéaires. Je pense que vous en avez conscience en Bretagne. Et l'hypothèse qu'on a, c'est qu'il y aurait des formes d'exportation des ségrégations sociales urbaines dans les espaces balnéaires qui seraient en quelque sorte renforcées. Il y aurait des formes de bourgeoisie économique dans certains lieux, de bourgeoisie culturelle dans d'autres. Et ce serait l'opposition Est-Ouest parisien qui serait là en version répliquée. Donc il y aurait des formes à travers la circulation des bourgeoisies vers les espaces balnéaires, des formes de réplication des modes de vie qui reproduiraient des formes de ségrégation sociale et de systèmes de hiérarchie des distinctions sociales. Moi, je suis justement, si je suis en Argentine aujourd'hui, c'est un peu pour travailler cette question-là, enfin, c'est beaucoup pour travailler cette question-là, puisque c'est un mouvement symétrique, se développe ici la côte atlantique, la Costa Atlántica, et c'est exactement la même chose sur un modèle d'exportation des ségrégations sociales de la grande ville de Buenos Aires, et donc la grande ville de Buenos Aires, depuis une quarantaine d'années, s'est développée par les barrios cerrados, qui sont les quartiers fermés, les gated communities, donc la bourgeoisie se scinde des autres groupes sociaux en créant des quartiers à la périphérie de Buenos Aires qui sont des quartiers fermés, avec des écoles privées, tout ça. Et ils font exactement la même chose sur la côte, en développant aujourd'hui des quartiers fermés avec des barrières, on ne peut pas rentrer, et des privatisations de grandes formes d'espaces importants sur la plage. Et donc, c'est cette idée qu'un peu partout dans le monde, la balnéarisation fonctionne comme une sorte d'exportation des systèmes de ségrégation sociale des grandes villes d'un pays, et des grandes formes de ségrégation sociale de la ville. Et donc, du coup, on est dans une logique d'urbanisation très
proche des formes, donc c'est du rural qui s'urbanise sur les formes contemporaines des ségrégations sociales. Et l'autre type de réflexion qu'on a actuellement, c'est de se poser la question, justement, par exemple dans ces zones balnéaires, mais dans toutes les autres zones rurales, de réfléchir non plus à uniquement à la position sociale à travers une seule variable géographique qui serait la résidence principale au moment de l'enquête, mais à travers l'idée de la multilocalisation des positions sociales. Et donc, du coup, ce serait une logique de définition synchronique et diachronique de cette multilocalisation des positions sociales. Synchronique, c'est-à-dire dans la possibilité de bouger dans l'espace, hein, donc on aurait une résidence secondaire, on aurait des parents qui seraient dans telle ville et on ferait des études ailleurs. L'ensemble de ces mobilités, le fait qu'on a plusieurs lieux en fait, dans un moment ou dans une année, plusieurs lieux de circulation, on a un espace de circulation spécifique, mais aussi diachroniquement dans le temps, puisqu'on a une trajectoire géographique qui impose de passer dans différents types d'espaces sociolocalisés, dans différents types de systèmes de hiérarchisation sociale. Et que donc, du coup, il y aurait des positions sociales ne seraient pas tout à fait, et donc seraient juxtaposées dans les mêmes lieux, des gens qui ont des expériences géographiques et de différenciation sociale différenciées dans la manière de cohabiter. Et donc, du coup, c'est cette idée-là qu'on essaie de travailler en essayant d'objectiver les circulations. Il nous semble que, par exemple, la bourgeoisie cultivée du 6e arrondissement va peut-être aller très souvent à Belle-Île, mais ira beaucoup moins dans le centre-Bretagne ou dans les espaces agricoles industriels de l'est de la France. Ou inversement, à La Courneuve, on ira à Berck-Plage ou sur les plages de Vendée, au camping si on va en tourisme, ou on ira dans la famille originaire de pays nord-africains. Voilà. Donc, ce qu'on essaie de dire, c'est que la ségrégation spatiale de la grande ville, qui a été largement étudiée, aujourd'hui doit se déployer dans les circulations avec des circuits spécifiques à chaque groupe social qui se déplacent de lieu homologue sociologiquement à lieu homologue sociologiquement sans finalement pas plus se croiser dans le déplacement. Et donc, du coup, derrière l'idée de la mobilité généralisée des populations, en fait, c'est des circuits de ségrégation spatiale et sociale qui se développent, et que donc, dans ce qui s'observe dans les présences concrètes dans un lieu, ce n'est pas simplement la sociologie des gens qui sont en résidence principale, qui sont caractérisés par l'INSEE, mais c'est tous ceux qui sont de passage là et qui formatent énormément les lieux. Et c'est tellement vrai sur la Bretagne et sur les côtes bretonnes, ou même à l'intérieur de la Bretagne, où il y a tout un ensemble de jeux avec la ville, où on a gardé une maison familiale et de mouvements d'aller-retour, que je pense que vous voyez vous voyez bien de quoi on essaie de parler, de travailler aujourd'hui. Et donc, mais par contre, il n'y a pas de données fiables dans la statistique publique pour travailler ces circulations. Bon, je m'arrête là. Il me semble qu'il y a là un moyen d'essayer de repenser la géographie sociale française au-delà de la division en zone urbaine par tisser des systèmes d'homologie sociologique entre différents lieux, si on prend la logique de la circulation, qui font que beaucoup d'espaces dits ruraux sont en fait très centraux et très très proches de la sociologie du plus centre parisien ou des grandes métropoles françaises de Rennes, et où c'est en fait les mêmes groupes sociaux qui se côtoient dans un endroit déplacé et qui sont des stratégies familiales de reproduction sociale encore plus exclusives, puisqu'on sait que nos enfants vont être qu'avec les enfants de la bourgeoisie locale, de Rennaise, sur la côte, ou nantaise, ou parisienne, et que donc là, il y a un entre-soi de fermeture dans le village balnéaire en question, et que donc c'est des formes d'espace de géographie sociale. Et inversement sur les classes populaires, hein, les circulations populaires aussi. Et donc, le territoire est beaucoup moins rural-urbain que bourgeois ou populaire dans la façon d'être utilisé et vécu par les différents groupes sociaux. C'est un peu ça sur lequel on voudrait tendre, mais j'ai aucune carte à vous montrer parce qu'on n'a encore rien réussi à produire sur ce dernier volet des trajectoires de réflexion qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, Gilles, pour cette intervention. J'allais dire là, place aux questions. Marianne, on se dit jusqu'à 15 h peut-être pour les questions. Oui. Je ne sais pas si tu en as observé dans le chat, j'ai vu passer des commentaires. Oui, c'est ça. Pour l'instant, que des commentaires. Et puis, alors, pas visible des autres parce que ça m'a été envoyé qu'à moi, mais une petite interrogation sur
Est-ce qu'il y a aussi une analyse sexuée du sujet? Alors là-dessus, je peux rapidement intervenir. Oui, sur l'analyse sexuée, on est très mauvais. Effectivement, il y a eu beaucoup plus de travaux sur les groupes masculins, d'une certaine manière. Or, l'emploi féminin des espaces ruraux est une vraie question. Il y a une plus faible activité féminine et il y a une typification des emplois qui sont assez différenciés, notamment justement autour de la prise en charge à domicile, le travail, les emplois d'employés. Parce que le couple classique des classes populaires, c'est homme ouvrier, femme employée. Et aujourd'hui, il y a des travaux en cours. Hein. Il y a Perrine Agnew qui vient de soutenir une thèse sur la question. Il y a Yael Brynbaum aussi sur les filles du coin. Donc il y a des travaux qui sortent. Hein. Mais effectivement, historiquement, il y a eu d'abord les groupes ouvriers canoniques masculins qui ont été enquêtés. Oui, on a eu l'occasion, dans le cadre du réseau rural, de faire intervenir Yaël Anselem-Mingui. Alors, c'était un webinaire Oui. sur lequel on a raté l'enregistrement, donc on n'a que l'audio. Mais Okay. elle avait présenté à l'époque les premiers résultats de l'étude Les filles du coin. Et qui est en Bretagne pour une partie d'ailleurs, je crois. Oui, il y a Compétence. une partie du terrain qui est en Bretagne, en Finistère. Je vais dire une bêtise si je dis précisément. Mais par contre, je vous invite à lire les travaux de Perrine Agnew sur cette question, c'est absolument génial. Hein. Sur la manière de travailler l'honneur masculin versus l'honneur féminin, et, la place du travail dans l'honneur masculin populaire dans les zones rurales versus la place d'être une épouse. Il y a quelque chose d'assez conservateur dans ces groupes. Il y a des travaux aussi de Benoît Coquart sur les trajectoires féminines. Il y a un article ou deux qui sont bien vus là-dessus, sur une élue RN, notamment. Enfin, pas une élue RN, une candidate RN. Et la place des femmes dans le groupe des copains, justement. Alors, moi, je ne sais pas si je peux me permettre de poser une question, mais je me pose, en vous écoutant, je me disais, mais on comprend hein, ces processus de ségrégation, mais est-ce qu'il n'y a pas des espaces où, alors je ne sais pour quelle raison, ça serait des espaces qui resteraient mixtes? Ou est-ce que forcément, dans les tendances qu'on observe, on va vers de plus en plus de spécialisation sociale dans les espaces? Alors, je serais bien en difficulté pour répondre parce qu'on va avoir des enquêtes statistiques qui vont dire effectivement qu'on a des lieux avec grande mixité sociale, mais il faut quand même aller voir concrètement, ethnographiquement, si on n'a pas des logiques de séparation des groupes sociaux qui sont à en ville, ça a été très largement renseigné. Par exemple, toute la sociologie de la couronne parisienne, la première couronne parisienne qui mixte gentrification et classe populaire, donc de Montreuil à Pantin, toutes ces communes de l'Est parisien, montraient clairement des stratégies de coupure des groupes sociaux. Donc, la mixité sociale va fonctionner sur des logiques d'alliance, mais j'ai pas beaucoup d'exemples en tête. En tout cas, les sociologues, c'est peut-être un prisme aussi hein, idéologique de la sociologie hein, qui va avoir une tendance à reconstituer les différenciations de groupe, les différenciations de classe. Mais j'ai pas beaucoup, je vois pas beaucoup d'exemples dans la sociologie urbaine, hein, parce que la sociologie de la ségrégation sociale, elle est urbaine. Nous, notre idée, c'est qu'il faut l'exporter sur l'ensemble du territoire. Elle n'a aucune raison. Parce que alors, ce que vous dites, hein, oui, il faut peut-être revenir pour que ce soit clair pour tout le monde dans la tête de chacun, c'est que justement, le village, l'espace rural, n'était pas une sociologie des classes, parce que c'est une sociologie de l'interconnaissance. Tout le monde se connaît. Et la distinction principale n'est pas socioprofessionnelle, mais familiale. On est de tel type de parenté, on est de tel nom de famille contre tel autre nom de famille. Et donc, du coup, il y a une hiérarchie des familles et beaucoup moins une hiérarchie qui peut être placée sur la propriété foncière. C'est ça, historiquement, comment les sociologues ont analysé la structuration sociale des familles rurales. Mais très peu une distinction socio-professionnelle. Tout le monde est plus ou moins paysan ou agriculteur, mais on est plus ou moins gros paysan ou plus ou moins gros agriculteur. Et la hiérarchie, elle est sur la propriété. Mais tout le monde se connaît, et donc c'est les différenciations en termes de nom de famille.
Aujourd'hui, il y a certainement encore un peu de ça dans beaucoup des lieux, hein, des espaces ruraux avec des logiques d'interconnaissance assez importantes. Mais en tout cas, dans tout ce qu'on observe autour de la périurbanisation, de la balnéarisation, on retrouve vraiment très clairement des logiques de ségrégation sociale ou de différenciation sociale dans les espaces résidentiels. Mais sinon, y a une autre chose que je trouve intéressante, hein, c'est la micro-ségrégation spatiale qu'on peut observer dans les villages, jusqu'où le nouvel arrivant, doté socialement se cache. Et donc, je pense qu'il y a au lieu d'être dans un quartier séparé, il y a toute une stratégie de la haie, du mur, de la dissimulation, Bon, et ça, moi, je ne connais pas de travaux là-dessus, hein, mais je pense que. La fonction, la manière de faire bourgeois au village n'est plus la même. On n'a plus son rôle de notable de visibilisation, on a un rôle de se cacher pour être à l'extérieur du groupe. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Marianne, faut qu'on, je ne sais pas si on a une question, mais je pense que là, faut qu'on peut-être qu'on. Si, est-ce qu'il y a une dernière question? Tu en as dans le chat ou pas? Non, on a plutôt des échanges de références dans le chat. Ok. Donc, en effet, on va passer à la deuxième approche du sujet, celles et ceux qui restent. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention, hein, qui était très très riche. Ouais. Ben, merci à vous, hein, de m'avoir proposé, de parler. Merci beaucoup. Pour la deuxième intervention, on a sollicité Patricia Andriot. Patricia Andriot, elle est chef du projet Mission Ruralité à la ANCT, enfin chef de projet dans la Mission Ruralité à la ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et Patricia est aussi élue locale et vice-présidente du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. L'intérêt de l'intervention de Patricia Andriot pour nous était d'aller regarder en quoi les politiques publiques à toutes les échelles s'intéressent aussi à celles et ceux qui restent et pas seulement à l'attractivité et à la au fait d'attirer donc des, enfin, d'attirer des populations vers le rural. Voilà, oui, donc ben merci et merci de l'invitation. Désolée pour ce petit cafouillage de départ. Donc, comme l'a dit Marianne, effectivement, du coup, je suis élue, en fait, enfin, je suis pas, non, déjà, peut-être, je suis fonctionnaire, agent de l'ANCT, comme l'a dit Marianne, mais je suis aussi élue locale dans le PETR du Pays de Langres, donc dans l'Est, pas dans l'Ouest, et à ce titre, vice-présidente du RTES. Et je réinsiste là-dessus parce que ça veut dire que mon témoignage, en fait, va en complément de ce que vient de présenter Gilles Laferté, ça va être plutôt du point de vue des pouvoirs publics. Pouvoirs publics voulant dire intervention de l'État et intervention des collectivités à travers voilà, une expérience d'élu local et puis qui représente un réseau national, mais aussi de l'action de l'État. Donc, et en fait, on voit qu'on n'est pas dans une intervention si paradoxale. Quand on regarde un peu ça, on voit que finalement, quand on est au niveau local, on peut avoir l'impression qu'entre l'État et les collectivités, tout ça n'est pas toujours cohérent. Et quand on prend un peu de recul, on voit qu'il y a quand même une unité de l'action publique, pas forcément une unité extrêmement productive, mais il y a une unité d'analyse, en fait. Et du coup, pour prolonger ce que dit Gilles, ce que disait Gilles Laferté, dans lequel on se retrouve bien, on voit que l'action publique, que ce soit celle des collectivités comme celle de l'État, finalement suit cette sociologie, suit ce qui nous a bien été décrit, plutôt que n'essaie d'imposer un récit. Et peut-être l'enjeu aujourd'hui, ça serait quand même de se dire l'action publique n'a-t-elle pas un rôle en termes de cohésion territoriale, de recréer un récit. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, on sait qu'aujourd'hui, la ruralité, et en particulier ceux qui restent par rapport à ce qui vient d'être décrit, je pense qu'il y a une grande hétérogénéité entre ceux qui choisissent et qui arrivent sur des territoires ruraux, notamment dans les classes aisées, et ceux qui restent, c'est-à-dire dans un cas, on a l'impression, enfin, on a une réalité choisie, et dans l'autre cas, on a une réalité subie. Mais ce qu'on constate par rapport aux politiques publiques, c'est qu'il y a un fort ressenti d'une ruralité qui a été
comme des territoires un peu délaissés de la République, d'une certaine manière. En tout cas, ça, c'est le ressenti des Gilets jaunes, ou qui a été exprimé par les Gilets jaunes. La réalité statistique, ce n'est pas tout à fait celle-là. Elle est plus différenciée, plus nuancée. Il y a certains sujets sur lesquels c'est le cas et d'autres, c'est moins. Et en fait, on a plutôt des territoires qui sont effacés dans un cadre d'intervention commune. C'est-à-dire que ce qu'on constate, en prenant du recul, les politiques publiques n'ont plus, depuis deux décennies, trois décennies, progressivement n'ont plus traité la ruralité de manière spécifique. Je trouve que ça correspond complètement à ce que ce qui a été décrit auparavant en termes sociologiques, où on voit bien, on nous explique bien qu'il n'y a plus de traitement spécifique de la ruralité, ou en tout cas plus l'approche d'une sociologie spécifique de la ruralité, alors même que, comme c'est expliqué, peut-être ça le mériterait. Eh bien, en termes de politique publique, ce qu'on remarque, c'est qu'il s'est passé la même chose. Preuve en est, on est dans le cadre d'un réseau rural. Les politiques publiques en faveur de la ruralité étaient traitées par le ministère de l'Agriculture pendant, historiquement, et qui a complètement délaissé ce champ jusqu'à n'avoir plus de bureau spécifique à la question des territoires. Et entre le moment où le ministère de l'Agriculture il a délaissé ça et le moment qu'on vit actuellement, où il y a une reprise en main par les politiques publiques, j'y reviendrai sur ces questions-là, il y a quand même eu un vide de traitement spécifique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu de fait pour la ruralité, parce que quand on regarde en termes de politique, je ne sais pas moi, éducative, sociale, il y a des médecins par exemple, les taux de médecins pour 1000 habitants, les taux d'instituteurs pour 1000 habitants, sont plus importants dans les zones rurales que dans les dans les politiques des quartiers. Alors, je n'ai pas dit pas dans Paris 6e ou 7e, hein, mais voilà. Donc, il y a certains sujets sur lesquels, effectivement, il y a peu les infrastructures mises sur la ruralité, et dans d'autres cas, ce n'est pas forcément ça la réalité. Mais n'empêche que ce qui compte, c'est quand même le ressenti, parce qu'il n'y avait pas de traitement, pas de traitement spécifique. Ce qui est intéressant aussi de regarder en termes de contexte, c'est qu'on est passé d'une approche de zones productives et de zones productives agricoles qui était très important, où il y avait une forte représentation dans l'imaginaire de l'espace rural nourricier de la population, et donc avec une importance correspondante, à une zone où les territoires ruraux s'étaient relégués comme espace d'aménité, espace de transition, espace récréatif. Ça, c'est tout ce qu'on a vécu des années 90, 80 même, à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et là, on a un moment où on peut se poser la question de est-ce que les zones rurales ne seraient pas de nouvelles zones productives, en tout cas de nouvelles zones très contributives dont on a besoin dans les transitions, que ce soit alimentaires ou énergétiques, ou même de biodiversité. Donc, on est dans un changement de rapport. Dans le contexte aussi, et pour faire écho à ce qui vient d'être dit, on a dans la construction des politiques publiques, sans doute, une surreprésentation et une surdemande de représentation de la dichotomie urbain-rural. Pour faire clair, des maires ruraux très, très présents qui disent on n'est pas assez pris en compte, par rapport à finalement des clivages sociaux, ce qui ne contribue pas forcément toujours à une politique de cohésion plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'y vais y revenir, il y a des études qui mettent en évidence, y compris d'ailleurs dans les analyses du vote, qu'il y a un déterminisme urbain-rural, mais en fait, ce déterminisme urbain-rural, il est plutôt provoqué, quand on a commandité une étude, une CEVIPOP sur ce sujet-là, il est plutôt finalement entretenu, commandité par les catégories socio-professionnelles, par le pouvoir d'achat des populations qui sont en zone rurale urbaine, par la représentation de la dynamique locale de l'emploi, donc de la capacité à se projeter dans un avenir meilleur, que par le seul fait d'être urbain rural. Alors, on le traduit en raccourci en disant les zones rurales ont voté RN, mais toutes les analyses sociologiques des deux derniers votes présidentiels et législatifs, donc 2017 et 2022, montrent que c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors que, quand même, du coup, on a tendance à répondre « oui, il faut des politiques spécifiquement rurales ». Peut-être c'est plus subtil que ça. Et puis, dernier élément de contexte qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est dans un moment
où la mixité sociale est sans doute en cours de recomposition par rapport à ce qui vient d'être dit. Effectivement, les espaces ruraux étaient l'espace, le creuset du vivre, du se connaître. Hein, ça a été très bien décrit. Et on est toujours dans ce creuset-là, mais avec, à première vue, effectivement, de l'entre-soi de plus en plus fort et qui, du coup, se retrouve, ça peut se traduire de manière un petit peu explosive dans le repli sur soi, dans le sens où, comme il y a à la fois une grande promiscuité, une grande, on connaît, on sait, on a une visibilité sur ce que fait le voisin, il n'y a pas d'anonymat, et en même temps, on n'est plus capable de parler à son voisin parce qu'il vit dans un univers sociologique extrêmement différent. Et donc par rapport à ça, la question des politiques publiques, qui est très importante quand on travaille à l'ANCT, c'est comment on recompose cette mixité sociale. Et ce que nous décrivent les maires ruraux, ce que je vis moi aussi en tant qu'élu, et ce qu'on enregistre beaucoup au RTES, c'est l'arrivée de nouvelles populations, à la fois en milieu rural, à la fois très aisées et à la fois très pauvres, qui à la fois très aisés pour des populations qui ont les moyens d'acheter des belles propriétés, en fait tout ce qui vient d'être décrit, mais aussi les arrivées de populations qui viennent en milieu rural se projetant sur l'idée le logement ne sera pas cher, mais qui du coup voient leurs problématiques de mobilité et d'énergie souvent démultipliées. Et pour la collectivité, un écart croissant entre les types de populations, avec du coup des populations de ceux qui restent, qui sont un petit peu au milieu et qui sont priés de faire la jonction. Et on a donc des groupes très différents et difficiles à faire vivre ensemble. Donc on est face à ce paysage-là en termes de politique publique. Et la question qui me semble-t-il est intéressante à se poser et de regarder comment tout ça a été accompagné, c'est… J'en reviens à ce que je disais en introduction, c'est quel récit propose l'intervention publique? Est-ce qu'on est toujours dans une logique, ce qui est un peu le cas hein, quand même honnêtement, de on suit les réalités sociologiques et on court derrière entre guillemets en voyant qu'est-ce qui est possible de faire et du coup ben, on met en place des politiques sociales entre guillemets de la ruralité. C'est-à-dire on traite la question de voilà, la ruralité sans délaisser, la ruralité terrestre, qu'est-ce qu'on fait, comment on essaie de pallier à la fracture numérique, comment on essaie de créer des problématiques de mobilité, de répondre aux enjeux de mobilité, enfin voilà. Donc on est plutôt dans une logique réactive. Il y a une autre vision qui commence à faire un peu jour, c'est est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à reproposer un récit parce qu'on a un vrai enjeu de récit de cohésion territoriale, de cohésion nationale, sur le rôle de la ruralité, où du coup, on n'est pas seulement en logique réactive, de correction des inégalités, mais on essaie d'être en logique proactive pour que la ruralité trouve toute sa place. Et de ce point de vue-là, les transitions écologiques et digitales, j'insiste bien sur les deux aspects de ces transitions-là, peuvent être quand même des leviers très, très intéressants. Donc, voilà un petit peu au moment dans lequel on est aujourd'hui sur ces questions-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur quels sont les principaux enjeux de l'intervention publique? J'ai envie de dire et de traduire pour moi, mais en tout cas, c'est un peu ce qu'on a en tête dans les cogitations qu'on attend d'ailleurs au niveau de la NCT nationale et puis du cabinet de la secrétaire d'État à la ruralité, que si je me place du point de vue de l'élu local, ou du RTES, c'est de se dire l'enjeu, c'est quand même de donner une nouvelle place aux ruralités et donc de renouveler l'imaginaire de la ruralité, y compris pour que ceux qui restent, parce que ceux qui restent se trouvent, c'est presque un petit peu la double peine, c'est-à-dire que il y a l'impression que c'est les abandonnés de territoires abandonnés, si je peux dire. Donc, renouveler l'imaginaire de la ruralité, c'est redonner une place à ces populations-là. Et de ce point de vue-là, il y a un enjeu important sur lequel pour les pouvoirs publics, c'est la question de la reconnaissance et de la lisibilité, non pas seulement de la ruralité, mais des ruralités hein, et de leur particularité. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément des territoires plus pauvres ou délaissés. Mais ce qui est, alors, et là-dessus, il y a toute une série de travaux qui ont été mis en place, à commencer par la redéfinition de l'INSEE, hein, qui est sortie en 2020, qui redéfinit l'approche de la ruralité non plus en creux des villes, mais en propre, en se calant sur une approche européenne, par la densité, la question de la densité et des réseaux, ce qui change le regard quand même de ce qu'on considère comme territoire rural.
Et dans le prolongement de cette étude, il y a tout un travail qui vient d'être mené avec le cabinet Acadie et Magali Talandier sur les typologies des ruralités. Dans une logique, comment on décrit les différents types de ruralités, on se rend compte qu'on a, je le disais, si on a une carte de France, des ruralités productives, des ruralités d'aménités, mais aussi quelles sont les trajectoires de ces ruralités, c'est-à-dire par rapport aux transitions qui arrivent, comment on peut imaginer la projection de ces territoires. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'action publique se réintéresse à caractériser cette ruralité. C'est le cas, j'ai dit, donc, des travaux de l'INSEE, c'est le cas de plusieurs études qui sont financées, c'est aussi des moyens un petit peu importants qui ont été mis sur le PUCA. Le PUCA, c'est un organisme de recherche sur les territoires et la ruralité qui dépend du ministère de la Transition écologique, pour justement tenter de caractériser un certain nombre de territoires ruraux. Il y a quand même pas mal de travail, de travaux en cours, et ça c'est quand même très nouveau, parce que l'État accompagne et dise on s'intéresse à la définition de la ruralité, ça n'existait pas ou plus depuis les années 60 ou 70, où il y avait toujours eu quelques équipes de l'INRA, mais qui, en fait les seuls moyens qui avaient financé ça jusqu'à présent, c'était des crédits européens du FEADER. Donc ça c'est quand même un signal. Ensuite, toujours en termes d'enjeux pour les ruralités, et juste pour revenir sur cette question de la reconnaissance et de la lisibilité, le fait d'en faire un enjeu, enfin, c'est extrêmement important, à mon avis, peut-être plus important encore pour les populations de ceux qui restent, qui ne se projettent pas dans un autre territoire que ceux qui arrivent, parce que ceux qui arrivent, ça veut dire qu'ils ont déjà une, comme je le disais tout à l'heure, une vision, ils sont dans une logique quelque part choisie plutôt que subie. Un autre enjeu pour l'intervention publique, c'est la question de l'attractivité d'un territoire. Pendant ces dernières décennies, avec la diminution de la place de l'agriculture et de la représentation du coup de territoires ruraux très productifs et la montée de l'idée de territoires ruraux plutôt porteurs d'aménités récréatifs, le développeur local, la commune, la communauté de communes, les pays, surtout les pays d'ailleurs, étaient dans une quête permanente et dans l'idée de comment reconquérir des populations, comment faire venir des gens sur la ruralité. Avec l'idée de créer de l'emploi pour faire venir des populations qui restent, mais aussi un développement évident de beaucoup de territoires ruraux sur le tourisme, qui mise sur le tourisme, de territoires ruraux qui avaient des atouts évidents, puis d'autres qui étaient peut-être moins pensés, ou avec moins d'atouts pour le tourisme, mais qui quand même misaient sur le tourisme. Et ça a aussi créé une sorte de relégation de ceux qui restent, c'est-à-dire que toutes les politiques publiques ou toute la communication des territoires ruraux étaient beaucoup plus pensées pour l'attractivité d'un territoire, pour ceux qu'on voulait faire venir, touristes ou nouveaux résidents, plutôt que pour ceux qui sont là, qu'on ressentit un sentiment d'abandon. Et ça a quand même été, enfin, je pense qu'il faut l'acter, cranté par l'action publique, qui accompagnait l'idée de faire arriver des populations, accompagner le tourisme, plutôt que vraiment s'intéresser complètement à ce qui reste en dehors du droit commun. Je réinsiste pour dire qu'il n'y a jamais eu complètement d'abandon. Mais ce n'était pas visible. Il y a eu une invisibilité de ces politiques publiques spécifiques pour les territoires ruraux quand même, parce que ce n'était pas ça qui était… C'est parce que c'était des politiques de droit commun, en fait. L'autre enjeu de l'intervention publique, et pour faire rester aussi… Là, il y a une sorte de paradoxe, parce que toutes les questions de services, de quelle mobilité et de santé, qui est quand même le trio de base sur un territoire pour le bien vivre, ont davantage longtemps été pensées pour faire arriver des gens comme argument commercial ou marketing du territoire que pour ceux qui restent, avec du coup la construction des territoires qui revendiquent l'accueil, mais qui ne préparent pas intrinsèquement à une logique de récit de territoire et à savoir exprimer
un territoire, pour être accueillant, il ne suffit pas qu'il ait des services, de la santé, c'est des conditions indispensables, mais il faut aussi qu'il ait une capacité à dire quelque chose. Et c'est compliqué d'avoir une capacité à dire quelque chose quand on a oublié ou mis de côté ceux qui restent. Voilà. Et donc là, il y a quand même un enjeu qui, à mon avis, a été mesuré, en tout cas en partie, de bien penser la question des services pour l'ensemble de la population. Alors, avec des choses qui… Bon, on y reviendra après dans ce qui… Je ne dis pas là que c'est ce qui a réussi ou c'est ce qui a été bien fait. Hein. Attention, je suis bien au niveau des enjeux de l'intervention publique, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, quelle est l'analyse de sur quoi il faut miser ou de qu'est-ce qui… quel est le rôle de l'action publique. Je vais venir après sur là où on peut dire qu'il y a eu des aspects et des effets positifs et là où on voit bien qu'on n'y est pas et que c'est pas encore, les avancées ne sont pas suffisantes. Autre enjeu qui recoupe un petit peu ce que je viens de dire, mais c'est d'être en capacité d'accompagner le renouveau de l'intérêt pour les territoires ruraux et la mixité des publics, mais aussi pour ceux qui restent et ceux qui partent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure dans le contexte, on voit qu'aujourd'hui, là, ça s'est révélé par la crise du Covid, mais en fait, toutes les études, et notamment une étude sur l'exode urbain qui est sortie il y a 15 jours, montre bien qu'en fait, c'était antérieur à la crise du Covid. Mais il y a à nouveau une volonté d'aller dans les territoires ruraux, de revenir dans les territoires ruraux. La question pour l'intervention publique, alors ce n'est pas massif, hein, l'étude de l'exode urbain, contrairement à ce qu'on a pu dire au moment de la crise du Covid, où on a pu avoir l'impression que tout le monde allait vouloir revenir en territoire ruraux, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Hein. L'étude met très bien en évidence que c'est beaucoup plus timide que ça, mais il y a quand même des mouvements. Et puis, c'est des cercles concentriques, c'est-à-dire qu'un Parisien, il ne va pas au fin fond de la Creuse directement. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, hein. Un Parisien du 6 ou 7e, comme c'était évoqué tout à l'heure. C'est… Le Parisien du 6e qui est parti, il est parti principalement, même pas forcément dans sa résidence secondaire, mais dans des centres-villes, des villes Toulouse, Lyon, hein, et du coup, il y a une sorte de gentrification et de relégation par cercle concentrique. Ça, c'est ce que caractérise l'étude exode urbain. Toujours est-il qu'il y a quand même ce renouveau, et puis les enjeux de transition écologique mettent aussi en évidence, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt potentiel des territoires ruraux. Donc il y a un vrai rôle de l'action publique à accompagner ce renouveau d'intérêt et à accompagner de manière à ce que ça se fasse dans une sorte de mixité des publics, hein, parce que l'accompagnement, il est… pour l'ensemble des publics et un accompagnement aussi pour animer le vivre ensemble entre ceux qui partent et ceux qui restent et ceux qui arrivent. Je crois que ça sera le sujet de votre prochain webinaire. Et donc, cette coexistence-là, donc, c'est quand même des nouvelles formes d'action publique qui sont en jeu. Je vais y revenir. Et dernier point de l'enjeu de l'action publique, c'est quand même, je l'ai déjà un petit peu dit, mais c'est de la cohésion territoriale, la capacité à maintenir des dialogues, notamment par exemple entre villes et territoires ruraux, entre la commune bourg et leur territoire. Alors je ne dis pas que la loi NOTRe y a beaucoup contribué, hein, évidemment, mais n'empêche qu'il y a un vrai enjeu de ça et de recréer de la coopération territoriale et de l'opposition urbain-rural, comme ça a été décrit avant, ne vaut plus, comme les analyses le montrent aussi, il faut sortir de ce schéma-là sur la sociologie, mais ça veut dire comment on montre ce lien nécessaire urbain-rural. Et au moment où on a besoin des transitions alimentaires énergétiques, il y a quelque chose à créer, puisqu'il y a une mise en évidence, si on l'avait oublié, ça a toujours été le cas, mais il y a un rappel à l'ordre d'une certaine manière que les territoires urbains ont besoin des territoires ruraux. Peut-être pour se nourrir, pour leur énergie. Et donc, il y a un enjeu pour les collectivités et pour l'État à se saisir de ça et à animer ça, cette organisation, cette nouvelle phase d'aménagement du territoire, de manière à ne pas ségréguer par zone. Voilà. Donc, ça, c'est les enjeux et l'analyse qui peut être faite.
Voilà. Alors, pour poursuivre encore sur la question, enfin, quelques exemples d'avancées concrètes de politique publique, État ou locale, mais aussi de ce que j'ai appelé des points stagnants, c'est-à-dire des choses où on a moins avancé, voire de l'intérêt de l'action publique sur ces questions-là. Alors, déjà, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'il y a depuis 2019, pardon, un retour à une gouvernance propre des politiques publiques. Et ça, je pense que c'est quand même une avancée. Bon, j'ai décrit la requalification des territoires ruraux par les travaux de l'INSEE. Suite à la crise des Gilets jaunes, il y a un agenda rural qui a été mis en place. Un agenda rural, ce n'est pas une politique pure pour la ruralité, c'est une volonté, c'est une revue de l'ensemble des politiques publiques sur lesquelles on se dit quelles sont, enfin, en quoi telle ou telle politique publique de droit commun n'est pas adaptée aux territoires ruraux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle soit bien accessible aux territoires ruraux? C'est ça le sens profond de l'agenda rural. Et pour ce faire, il y a un comité interministériel aux ruralités qui a toujours existé, mais qui s'est remis en marche avec plus d'activité. Il y a la désignation dans chacun des ministères d'un référent en ruralité, la désignation dans chaque préfecture de référent en ruralité. Tout ça avec beaucoup d'imperfections, on est d'accord, on pourra en discuter dans les questions, mais ce que je veux dire, c'est qu'on crante quand même l'idée de se poser la question de manière spécifique, qu'est-ce qu'on fait pour les territoires ruraux. Ça, c'est du côté de l'État, mais du côté des collectivités locales, le fait de retravailler, même au sein d'une aglo, la question de l'alliance avec les territoires ruraux est quelque chose qui est nettement réapparu. Suite à la crise des Gilets jaunes aussi, et suite au fait qu'il y a eu la déferlante de violence, a fait peur à un certain nombre de maires de grandes villes qui, du coup, ont changé de braquet dans l'animation et la relation entre la ville et leur territoire rural, ce qui change un petit peu l'organisation. En tout cas, l'approche des EPCI. Alors, ce n'est pas vrai partout. Vous trouverez quantité de maires et de territoires ruraux qui disent qu'ils ont l'impression toujours d'une ville-centre, d'un EPCI surplombante. Je ne veux pas du tout nier ça. Mais il faut savoir qu'il y a aussi, je pense à des villes comme Clermont-Ferrand, comme Bordeaux, comme Dijon, comme Rennes, qui du coup se posent la question de l'articulation du contrat entre la ville et les territoires ruraux. Il y a une approche quand même qui commence à émerger, à dire autre chose. C'est timide, on y est, mais voilà. Dire aussi qu'il y a un regain et un renouveau de ce que j'ai appelé une ingénierie de service, c'est-à-dire que la question de comment on redonne des services publics aux territoires délaissés. Alors, ce n'est pas non plus seulement aux territoires ruraux, mais c'est aussi aux territoires ruraux et quartiers politiques de la ville, notamment avec les France Services, mais aussi une ingénierie de la mobilité. Ce que j'appelle ingénierie de la mobilité, ce n'est pas juste la mobilité en tant qu'infrastructure, mais c'est à la fois quand même se poser la question, y compris des mobilités de proximité, et se poser la question des mobilités de trajectoire de parcours de vie pour la jeunesse, notamment pour les jeunes ruraux, où on est en train de changer un petit peu, alors qu'on était pendant longtemps dans l'idée il faut que les jeunes ruraux sortent, il faut que les jeunes ruraux puissent aller faire des études à l'extérieur. Ça, c'est toujours prégnant et un peu surdominant. Et pour moi, ça fait partie des points stagnants, des choses qui n'avancent pas assez. C'est qu'on a tendance à se dire, on sait que les jeunes ruraux qui réussissent plutôt mieux dans l'école primaire sont plutôt assignés à résidence. Et qu'est-ce qu'on fait pour leur donner un panel et qu'ils aient envie d'aller faire des études? C'est toute l'action de Chemin d'avenir, les discours de Salomé Berliou, et aussi de l'intervention publique. Il y a eu plein de mesures cordées de la réussite pour promouvoir ça. On commence à voir et à se dire, oui, il faut que les jeunes partent, mais il faut aussi préparer les jeunes que des jeunes partent et que des jeunes reviennent, et aussi s'intéresser aux jeunes ruraux qui ne vont pas partir, qui restent, quelle est leur qualité de vie et quelle est leur chance de pouvoir trouver un épanouissement et un accompagnement de projet sur place et local. C'est par exemple toutes les initiatives des campus ruraux, cette réalité-là, il y a un renouveau de cette réalité-là, beaucoup plus à l'échelle des collectivités, il faut le dire, que de l'État. L'accompagnement, alors il y a eu un accompagnement de l'État aux campus ruraux et à l'approche projet du
d'un jeune sur son territoire, etc. Mais quand même, c'est des initiatives qui partent de la société civile pour prendre en compte ça. C'est aussi, je pense que là où pendant des années les collectivités et nous, ça, on avait fait une étude sur la jeunesse en 2010 au RTES sur la jeunesse, pas que dans les territoires ruraux, mais la prise en compte de la jeunesse dans les politiques sociales. Et on mettait bien en évidence que globalement, il y avait beaucoup d'actions des collectivités pour la petite enfance, d'actions des collectivités pour faire revenir du public. Puis, par contre, il y avait comme une acceptation que la post-adolescence et le âge de jeune adulte, c'était un âge qui échappait complètement aux collectivités. Aujourd'hui, il y a un retour un peu là-dessus et il y a des tentatives, je redis, plutôt au niveau des collectivités, de se dire comment on fait pour l'accueil et l'accompagnement au projet des jeunes, de jeunes qui restent sur les territoires. Ça, c'est des choses qu'on voit avec… alors, les collectivités, à vrai dire, s'occupent du sujet, mais sont plutôt suiveuses, parce qu'alertées par les associations, par les acteurs de la société civile, sur cette volonté de jeunes de s'installer en milieu rural, soit de revenir, mais de rester, et comment on accompagne ça. Dans quelques avancées qui sont timides, mais on voit quand même des choses pas inintéressantes, c'est que pour les territoires ruraux, la tentative de prise en compte de dynamiques économiques spécifiques, c'est-à-dire comprendre enfin la réalité de l'économie résidentielle, pas se dire juste le salut économique d'un territoire, c'est d'arriver à faire venir l'entreprise de 100 personnes, mais c'est peut-être de miser alors sur le renouveau des énergies, des ressources locales, mais ça c'est quand même un vieux mouvement avec le développement local, mais de se dire que reconnaître par exemple toute l'économie résidentielle, de services et tout le rôle de l'économie sociale et solidaire, on se bat pour ça au niveau du réseau rural, mais il commence à y avoir une vraie reconnaissance de l'État dans le cadre de l'agenda rural et en ce moment il y a les discussions pour le volet 2 de l'agenda rural où l'ESS commence à être enfin prise en compte en tant que telle et donc la reconnaissance que sur les territoires ruraux c'est des autres dynamiques économiques, mais c'est aussi une reconnaissance, on est dans le cadre du réseau européen par l'Union européenne dans vision à long terme pour la ruralité, la communication que la Commission a lancée, l'ESS, le social économie, commence à être reconnue et prise en compte en tant que telle. Donc, c'est bon, des nouvelles. De la même manière, on pourrait aussi citer la reconnaissance croissante des tiers-lieux, c'est-à-dire que la question de la mixité des formes économiques, de la mixité des modèles économiques, de la mixité des populations, ça commence à être des choses qui peuvent être entendues ou entendables au moins par des pouvoirs publics qui jusqu'à présent ne sont quand même, que ce soit l'État, mais même les collectivités, pas du tout organisées pour prendre en compte. Enfin, aujourd'hui, l'organisation des collectivités, des pouvoirs publics, c'est quand même très en tuyau et donc c'est très un problème, un sujet, enfin, ou un sujet, une problématique, une solution qui va dans une case et qui s'adresse à un service de la collectivité ou de l'État. Et aujourd'hui, on voit bien que, en tout cas sur les territoires ruraux, c'est des choses qui ne fonctionnent plus tout à fait et qu'il faut aller vers des approches beaucoup plus transversales. Ce n'est pas forcément un dialogue complètement aisé ou complètement fluide dans les pouvoirs publics, mais en tout cas, c'est des choses qui commencent à émerger, à être connues. Le CRTE, le contrat de relance et de transition écologique, dont on peut dire beaucoup de mal, est quand même un outil, une tentative, j'espère pas tentative avortée, tentative qui doit progresser, mais d'avoir cette reconnaissance beaucoup plus bottom-up plutôt qu'une logique d'intervention descendante. Autre élément, c'est le paradoxe entre des dynamiques d'acteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas spécifique aux territoires ruraux, mais c'est très présent dans les territoires ruraux, sur des sujets de transition énergétique, de transition alimentaire, de culture. Souvent, c'est des collectifs d'acteurs, c'est la société civile qui va être plus avant-gardiste et des pouvoirs publics qui courent un peu derrière et une intervention publique qui doit être sans arrêt en adaptation. Et puis, il faut le dire aussi, face aux enjeux de transition écologique, où il y a une forte poussée de la société civile et des pouvoirs publics, collectivités, publics comme État, qui sont en logique d'adaptation et qui, il y a une demande paradoxale parce que c'est compliqué et pas rassurant pour un acteur de la puissance publique ou d'une collectivité de dire à un moment donné, on ne sait pas faire, on ne sait pas comment, on sait qu'on doit faire, mais on ne sait pas exactement comment on doit faire et on doit faire avec des acteurs, des associations et on doit co-construire. Ce n'est pas le langage premier auquel on est habitué quand on est
représentant d'une collectivité, mais ça, on voit assez nettement que c'est quand même des choses et des dynamiques qui bougent. Voilà. Et dans cette lignée-là, on peut dire qu'il y a actuellement une reconnaissance un peu mitigée ou partagée du projet de territoire. C'est-à-dire que, alors qu'on parle beaucoup, beaucoup de l'accompagnement au projet de territoire, que ce soit les collectivités, que ce soit des choses comme Leader, que ce soit l'État, avec, j'ai évoqué les CRTE, on commence à dire, et à oui, il faut qu'on accompagne un projet de territoire et que ça émerge de la société des acteurs. Comme je le disais tout de suite, les outils ne sont pas encore tout à fait en place. Mais quand même, ça bouge et il y a un amorçage de ce dialogue-là. Et donc, c'est ces signaux faibles de mouvement, j'ai envie de dire, qui doivent permettre quand même à ceux qui restent hein, de reprendre une place. Enfin, je trouve qu'on est un petit peu à un moment de quitte ou double. Je ne sais pas si ça ne sera pas aussi brutal que ça, mais on a un moment très intéressant où, de par les transitions environnementales, mais aussi digitales, qui mettent en avant des nouveaux modes de faire possibles, soit on est capable de se dire ensemble, ben, faut qu'on invente des nouvelles façons de faire, et j'ai voulu plutôt sortir les signaux positifs, peut-être encore faibles et timides, de ces nouvelles façons de faire qui quand même émergent, soit on va aller vers des clivages extrêmement violents. Pour conclure et faire le lien avec ce que je disais avant, on va se retrouver sur des logiques de population très très clivées et comme c'était décrit dans certains pays d'Amérique du Sud où on va avoir des ghettos, enfin, on va reconstituer des ghettos dans un pays qui n'a jamais eu d'approche communautaire, enfin, qui a toujours pas trop mal résisté aux approches communautaristes et dont on a l'impression aujourd'hui qu'il est à deux doigts de sombrer ou de tomber dans ces logiques-là. Donc l'enjeu, il est quand même vraiment important de savoir faire et de prendre en compte qu'on doit faire différemment. Et du coup, voilà, je trouve qu'on en est là dans l'analyse et de la prise en compte de l'analyse des politiques publiques pour bien prendre en compte ceux qui restent et les accompagner dans leur projet de vie et dans leur épanouissement. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Peut-être il y a des questions, peut-être, voilà. Merci beaucoup, Patricia. Marianne, je te dis tout de suite, je n'ai plus accès à la messagerie. Alors, il n'y avait pas de questions. On a continué à se partager des références sur femmes et ruralité en parallèle de l'intervention de Patricia Andriot. En même temps, je pense que c'était aussi un panorama assez complet hein, de cette approche de la visibilité de celles et ceux qui restent, des politiques publiques conçues pour l'attractivité et pas forcément avec les gens qui sont effectivement là. Je sais que quand on a préparé cette rencontre donc avec Catherine Lédin, Enfin, le titre de la rencontre fait évidemment référence à l'ouvrage de Benoît Coquart et en même temps, on se disait que les ruralités bretonnes, elles ne correspondaient pas à ces ruralités plus désœuvrées qui étaient décrites dans l'Est. Qu'on avait bien en tête que le choix de rester pouvait se traduire par des hypermobilités ou des opportunités professionnelles moindres pour les personnes qui choisissaient de rester en milieu rural, mais on avait aussi envie d'une approche plus positive parce que le choix de rester est tout aussi intéressant que le choix d'arriver en milieu rural. Et donc ça, c'était plutôt notre dernière intervention. Ce que je vous propose, c'est de passer à notre dernier témoignage qui là est un témoignage d'une habitante d'un milieu rural qui nous permettra, j'espère, d'illustrer c'est quoi rester, c'est quoi vivre ici, pourquoi on reste à travers une expérience, mais c'est toujours. C'est toujours une approche. Anne Le Baudeau, vous êtes toujours avec nous? Oui. Bon, en vrai, j'ai du mal à vous voir. Oui. Donc, je ne vais pas vous voir. Anne, est-ce que tu es avec nous? Et, euh,
Est-ce que tu... Bonjour Marianne, oui. Bonjour. J'ai allumé l'écran et le micro. Ouais. Ok. C'est bon pour tout le monde ? Ouais. Ouais. Donc bonjour. Je te propose de décrire ton parcours et en quoi ton parcours, le fait de rester dans ton territoire était un élément important de ton parcours. Et puis n'hésite pas à rebondir sur la masse d'informations que nous avons pu avoir depuis tout à l'heure. Et puis après, on se posera les questions. Très bien. Ben, je tiens à te remercier, Marianne, pour l'invitation aussi. Puis merci tout le monde aussi de bien vouloir m'écouter. C'est ma première expérience de témoignage, donc vous m'excuserez si j'ai quelques petits ratés. Pour me présenter, donc, c'est Anne Lebaudeau, j'ai 43 ans. J'habite sur la commune de Questembert. C'est une petite commune de presque 8000 habitants dans le sud Morbihan, en Bretagne. Je suis arrière-petite-fille de paysan, petite-fille et fille d'agriculteur. Du coup, je fais une petite distinction entre les deux parce que ça ne veut pas dire la même chose. Et moi, j'ai eu la chance de grandir, d'étudier et travailler sur le territoire à peu près 100 km à la ronde. Donc, c'est vraiment une chance parce que c'est, d'un point de vue financier, voyager il y a 40 ans, ce n'était pas donné à tout le monde. Et puis, c'est aussi une chance parce que j'ai découvert et je connais bien mon milieu dans lequel je vis et je travaille encore aujourd'hui. Donc, pour faire court, j'ai fait un bac aménagement paysager parce que j'avais une optique déjà de rester sur de travailler dans le milieu rural, en tout cas. Et tout ce qui était protection et gestion de la nature était un petit peu mon domaine de prédilection. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai eu une réflexion sur l'installation, la reprise de l'exploitation familiale, parce que je voyais de plus en plus, en fait, un intérêt à la gestion et la protection de la nature. Et ben, pourquoi pas le faire sur son territoire. Et l'exploitation agricole, c'est vraiment, on est en plein dedans, dans le milieu rural. Donc, voilà, donc au fur et à mesure, l'idée m'est venue. J'ai continué, du coup, mes études dans ce sens-là. Donc, j'ai fait un BTS AXE que j'ai obtenu en 2021. Grâce aux stages et aux rencontres, et ben, ça m'a confortée dans mon idée de m'installer. Donc, au fur et à mesure aussi, là, j'ai commencé à mûrir mon projet. Pour ça, j'ai continué à travailler dans les organismes agricoles en tant que contrôleuse DDA, anciennement DDA, aujourd'hui DDTM. Et là, ça m'a permis de découvrir un panel de systèmes différents dans le Morbihan. J'ai fait des saisons de vendange, récolte et tout ça. C'est vraiment, ça m'a permis de découvrir le territoire français. Et j'ai après travaillé dans des exploitations laitières en remplacement. Et là je rentrais vraiment dans le concret pour acquérir de l'expérience et du coup, voir comment je pouvais utiliser tout ce que j'avais vécu avant pour l'intégrer sur mon exploitation agricole. Avant de m'installer, j'ai voyagé à l'étranger parce que se nourrir aussi des expériences des étrangers, je trouvais ça important parce que aujourd'hui on parle plus de, on parle international malgré tout, même si on veut rester dans le local, on a besoin de se nourrir de l'international. Donc j'ai voyagé en Chine, en Russie, quand c'était encore possible, en Mongolie et au Niger aussi. Avec un milieu complètement différent en Afrique. Je faisais déjà partie, étant ancrée dans le territoire, je faisais des parties d'associations, entre autres une association qui a fait un peu bouger la commune. On était une bande de copains et on avait envie de créer des événements locaux. Et on a fait vivre le bourg en créant des concerts en plein milieu des halles de Questembert. On faisait de la nourriture qu'on distribuait dans les marchés pour pouvoir financer des projets. Et du coup, on a aussi travaillé sur le début d'un verger qui appartient aujourd'hui à la communauté de communes, avec aussi un théâtre de verdure pour justement accueillir des événements festifs et puis autres. Voilà.
est venu le moment où j'étais assez mûre pour m'installer. Donc en 2006, j'ai repris l'exploitation familiale en GAEC avec ma mère. Et on était déjà sur un système herbagé. On a mis au fur et à mesure en place des pratiques d'agriculture biologique parce que c'était une de mes conditions où la protection et la gestion de la nature, ça passe pour moi à ma façon via l'agriculture biologique. On est une petite exploitation à l'époque et on est resté comme ça jusqu'à hier, on va dire. On avait 35 vaches laitières sur 65 hectares avec 85% d'herbes. Voilà. Tout ce qu'on produisait servait à l'alimentation de nos vaches et de la suite. Il y a eu la mise en place des pratiques agricoles bio. On est passé en bio en 2009. Et j'avais depuis longtemps la réflexion aussi de la transformation du produit lait en produit laitier dans l'optique de de travailler et de gérer un produit et un circuit. Ça veut dire partir de la graine, produire du lait et aussi après le transformer pour le distribuer, que justement on soit dans l'hyper local en fin de compte, parce que ça a été de la vente en restauration collective, en épicerie, en magasin de producteurs. Donc très rapidement, il y avait j'ai toujours eu l'idée de rester sur mon territoire et de travailler avec, pour et avec le territoire. Donc, il y a eu la mise en place de la transformation laitière, surtout avec l'arrivée d'un troisième associé qui était mon frère, entre autres. Voilà. Donc, on a mis en place très rapidement. On a été en croisière au bout de 3 ans parce qu'on est tombé dans… Il y a eu une demande. Donc, on a travaillé en réseau. On a monté une association. On n'a pas monté, mais on a fait grandir une association de producteurs, Manger Bio 56, qui nous mettait en lien justement avec les restocos et qui faisait le lien entre l'offre et la demande. C'était une belle histoire, on va appeler ça comme ça. Très rapidement, pas très rapidement, mais 10 ans après, on a commencé à avoir des problématiques de foncier. La petite fille d'un propriétaire foncier, un bailleur, ce qu'on appelle un bailleur, a voulu récupérer ses terres pour faire un élevage équin. C'est une problématique qui est de plus en plus courante sur le territoire Bretagne-Sud, c'était déjà courant dans le bassin rennais. Et en fait, cette problématique se décale en fonction du prix du foncier. Et on a été en procédure judiciaire jusqu'en 2021, où là, le tribunal de grande instance a statué et a donné une décision défavorable pour nous. On a perdu la moitié de la surface, ce qu'on appelle la surface pour nos vaches laitières. Donc, on passait de 20 hectares à 10 hectares. On fait rapidement des calculs. On tente, on cherche. Et on se rend compte qu'économiquement, on aurait été obligé de passer sur diminuer par deux un troupeau. On diminue par deux la surface, donc on diminue par deux un troupeau. Et ça ne fonctionnait plus. On avait des investissements trop importants pour pouvoir les rembourser en diminuant notre activité par deux. Donc, la décision a été un peu brute, un peu dure à encaisser, mais on a décidé d'arrêter. Et du coup, depuis 1er janvier 2023, il y a eu fin d'exploitation et moi, j'ai débuté une nouvelle carrière. Alors, il a fallu réfléchir à cette nouvelle carrière. Que faire ? On reste, on ne reste pas. Oh, on est bien ici quand même. Donc, on réfléchit, on met le pour, on regarde où on vit. Donc, on a la chance d'avoir une dynamique sociale, économique, scolaire, puis une dynamique aussi associative, amicale, parce qu'il ne faut pas les oublier, ceux-ci. Et on a fait le choix de rester. Et ce qui était important pour nous, d'autant plus que
les choses se font bien, mais j'ai eu une opportunité de travailler. On m'a proposé un emploi à la maison familiale rurale de Questembert, donc sur ma commune, à 5 km de la maison. Donc, pourquoi aller plus loin dans ce cas-là ? Ça a été une chance parce que ça, malgré voilà, une fin un peu triste, il y a quand même une continuité dans mon travail. Je considère aujourd'hui que être animatrice en maison familiale, c'est comment garder des, c'est faire en sorte d'essayer de garder des jeunes sur nos territoires en leur montrant qu'il y a une dynamique agricole possible. Il y a une transmission de comment des milieux qui peuvent se faire via les écoles. Et si on veut avoir des territoires dynamiques, je considère que bah, c'est via la jeunesse en fait qu'en les gardant, en les stimulant, on peut du coup voir un territoire rester dynamique même dans des zones moins favorisées, moins proches de grands centres, parce que nous c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir Vannes, c'est quand même une ville économique qui est porteuse de projets et d'emplois. Donc ça peut être que positif pour comment le dynamisme de notre petite région Questembertoise. Voilà. Je sais pas comment je peux continuer. Bah, petit aparté, parce qu'une partie du public n'est pas forcément le public habituel du réseau rural. Donc ouais. Les MFR, les maisons familiales rurales, c'est un réseau d'enseignement agricole privé. Donc en parallèle des lycées agricoles publics et des lycées agricoles privés catholiques, c'est un troisième réseau, mais qui a un fonctionnement un petit peu différent, puisque l'accompagnement des élèves est différent, la présence auprès d'eux, enfin, c'est vraiment un système éducatif donc, qui rentre dans la catégorie lycée agricole, mais qui est assez particulier. Et donc qui maille les territoires ruraux et qui accompagne aussi parfois des jeunes qui sont un peu plus en difficulté. Ça te va comme résumé, Anne, ou tu as envie de me... Alors, non, ouais. Et alors, c'est souvent... ouais. Ouais, alors c'est, en fait, c'est une école, c'est une association, en fait. On ne fait pas partie du ministère de l'Éducation. On est rattaché au ministère de l'Agriculture. Donc, voilà, je n'ai pas un poste d'enseignante, j'ai un poste d'animatrice formatrice. Donc, ça, c'est déjà une nuance. Alors, je rebondis sur les enfants en difficulté. C'est vrai qu'on accueille toujours un public. Historiquement, c'était ce public-là qu'on accueillait au niveau des élèves. Mais aujourd'hui, on accueille vraiment un nouveau public. C'est des enfants issus du non-milieu agricole qu'on accueille et qui ont vraiment des envies de s'installer ou de au moins de travailler dans le milieu agricole. C'est vraiment on parle. Il y a une particularité du public de hors cadre familial qu'on va pas avoir en effet. D'accord. Et qui ont vraiment une envie de travailler dans le milieu agricole et de vivre dans le milieu rural. Voilà. Ouais. Ça a un petit peu changé. Il est un petit peu. Dans ton exposé, bah, tu es passé assez rapidement sur les engagements dans l'écosystème et le réseau d'acteurs agricoles, mais c'est vrai que tu as pu aussi t'engager dans la CUMA locale, dans la CUMA départementale. Enfin, il y avait une partie de... Alors, jugement de ma part, ou en tout cas préjugé, j'espère que les sociologues pourront éventuellement me corriger sur ça, de mise en pratique d'habitudes de solidarité rurale. Quand on vit sur un territoire, on est obligé de prendre en compte tous les habitants du territoire. Et quand on est dans un système d'agriculture, on doit aussi prendre en compte tous les autres systèmes d'agriculture. C'est vrai que pour cela, très rapidement, on s'est dirigé vers ce qu'on appelle le CIVAM et le GAP 56 pour nos pratiques pure agriculture biologique. Mais je me suis aussi très rapidement dirigée vers la CUMA parce que c'est là où on retrouve les agriculteurs
du territoire de la commune ou de l'intercommune. Et on travaillait ensemble pour un objectif commun, en fait, parce qu'on oublie un peu trop souvent le rôle en fait, de l'agriculteur. C'est mon pressentiment. C'est qu'on est quand même des façonneurs et des entreteneurs du paysage. On a entendu le mot paysan, un petit peu de connotation un peu négative au début des années 1900, et puis il y a eu la révolution industrielle. Et nous, quand on est revenu sur le territoire, quand on s'est installé, nous, cette notion de paysan était très importante pour nous, parce que c'est paysan, il y a pays, paysage, donc c'était vraiment l'ancrage de rester et d'entretenir localement notre lieu de vie pour nous, mais aussi pour tout le monde, quoi, pour tout le territoire, que ce soit périurbain ou urbain. Voilà. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que dans ce que tu as entendu dans les deux propos précédents, il y a des choses qui t'ont fait réagir, qui ont exprimé différemment des choses que tu avais en tête ou avec lesquelles dans lesquelles tu ne reconnaissais pas forcément ton territoire? Oui, voilà, moi, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que je pense que nous, en Bretagne, on a une certaine chance parce que culturellement, je pense qu'il y avait déjà des dynamiques de lancer au niveau scolaire, au niveau agricole, plus ou moins positif. Hein, et je pense qu'on va dans d'autres régions, c'est Madame Andriotte, je crois, qui est plutôt dans l'est de la France. Je ne pense pas que les dynamiques étaient les mêmes, donc les problématiques sont pas forcément les mêmes. Au niveau des flux de population, c'était pareil, il y a eu un flux de départ vers les grandes villes, puis un flux de retour. Je pense qu'en Bretagne, on était plus touchés sur ce flux de retour que dans certaines zones, et ça, on l'a entendu. Hein, on ne va pas en Creuse comme ça du jour au lendemain, je ne pense pas. et du coup, ces flux de population, c'est vrai que ça joue sur les dynamiques de territoire, sur justement les emplois qui peuvent être proposés sur ces dynamiques de territoire. Et nous, à moi, en ce qui me concerne sur le milieu, vraiment la partie agricole, je pense aussi que les politiques agricoles sur les territoires feront amener telle ou telle population. Si on est sur une politique agricole de petite exploitation avec beaucoup de ventes directes, on ne touchera pas le même public que des gens qui, sur un territoire où il y a des grosses structures qui prennent beaucoup de place en surface agricole sur le territoire. Voilà. Ça, je l'ai vu. Je revois l'historique de mes arrière-grands-parents dans ce que j'ai entendu, et puis moi qui arrive de retour et voilà, et qui va essayer de transmettre comme je peux avec mes acquis vers les jeunes. Côté assistance et côté et de la part des autres intervenants aussi, les différents commentaires dans le chat, l'enchaînement des trois points de vue vous donne envie d'apporter un complément, une remarque? Il nous reste 1 minute, 0 minute. Bon, il nous reste quand même le temps de se dire au revoir et d'apporter un dernier commentaire. Bon, je vois que les commentaires sont plutôt des remerciements pour les intervenants, donc remerciements que je partage. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire, et je laisse la parole à Catherine Lédin pour annoncer la suite. Donc nous avons eu un premier rendez-vous le 10 novembre, on en a parlé en début de rencontre. Vous pouvez retrouver le webinaire sur les chaînes YouTube du Réseau Rural Breton et de la chaire Territoire et Mutation de l'Action Publique. La rencontre d'aujourd'hui sera également disponible dans quelques jours. On se retrouve dans très peu de temps, puisqu'on se retrouve le 16 mars pour parler de celles et ceux qui arrivent. Alors même si la distinction entre celles et ceux qui restent et celles et ceux qui arrivent était assez artificielle quand il s'agit d'aller voir les dynamiques d'un territoire, parce que c'est un mélange des deux. D'autant plus quand dans celles et ceux qui arrivent, il y a des gens qui reviennent.
Donc, je vous invite à vous inscrire pour le 16 mars de 14h à 16h comme aujourd'hui, où on aura là encore un regard universitaire, un témoignage, enfin un regard d'expert terrain et un témoignage d'acteur. Et puis, nous aurons un dernier rendez-vous de ce cycle le 11 mai sur populisme et ruralité. Vous devriez recevoir des invitations dans vos boîtes mail. Merci à toutes et à tous de votre attention et au plaisir de rééchanger avec vous dans environ 2 semaines. Bon, merci à tous et à tous. Ça y est, j'ai résolu mon problème. Un grand merci encore aux 3 intervenants. C'était très riche. Et puis, à bientôt.